Comment ça va les petits poulets? <laughs> Petite pensée à la Rediff qui a pas de la musique en fond. Ouais ça va plutôt pas mal écoutez euh, j'ai bien dormi prêt à prendre un max de plaisir, je me choisis mon level up. Yeah. <laughs> Alors ça l'odou, je sais même pas de qui tu parles, il y en a eu deux trois quand même. Ça devient compliqué les cheveux là non des trucs comme ça pendant le live, là, ça va vous plaire, ça. <laughs> Depuis ce matin Carrément. Bon. La coupe de surfeur, le sourire La balope On attend 5 minutes et on commence. Et de faire un peu de freeplay, attendre que les gens arrivent, ceux qui veulent venir. Puis j'ai envie de freeplay surtout. Oh merci, Gagnator! Oh. Que de compliments de si beau matin! Salut, Noir! Oh ouais k m'a bien fait rire hein. C'est le K-Dop show hein, cette nuit hein. euh, Là on va regarder les games de Carmine Corp contre Top Cougar et après Coaching et après Terminado Rasmel il va jouer à vous Le psycho sur la tête à il était incroyable, ce psycho là j'ai vu. C'est un des plus puissants que j'ai vu quoi. Oh il se prend des dingues, ça me fait trop rire. Hein. L'arc psycho sur la tête à Kaido, c'est vraiment le meilleur arc. Hein. Non non, le texte juste, j'ai la flemme de l'enlever. Il hein. y aura pas de scream ce soir. On va faire la 2v2 demain et euh, encore des coachings, bah j'ai pris beaucoup de retard sur les coachings, ça commence à râler, y'en a qui ont demandé des remboursements et tout, ça me coûte de l'argent les remboursements. Donc il faut vraiment que je m'y mette là. Le programme est dans le titre mesdames et messieurs. Et que personne n'a lit les titres sur Twitch mais. <laughs> Quand je pense qu'à une époque on avait modifié le site Rasmeltor TV pour que je mette le, la programmation dessus. C'est l'époque où j'avais envie de travailler ça, où j'avais envie d'être streamer. Ouais c'est le... Je n'avais parlé une fois, euh... les gens me demandent tout le temps comment être pro. Et je pense que maintenant je vais rajouter l'étape Snipe Kedob pour lui caler un psycho. Hein. Euh non euh, Max Aka, euh, ça, euh... c'est en suspens clairement. Ouais c'est normal, euh, de, je dis, hein, c'est normal. Ouais quel s'est repris un Psycho et quel Psycho

Comment ça? Fener, tu veux un ban? La gaming house, ça avance, ouais. Fener Junior, tu te crois où là? T'as cru que t'étais dans ta, dans ta cour d'école avec tes copains là? Tu vois pas que j'ai 35 ans et que je suis pas allé chez le coiffeur? T'es sûr que t'es au bon endroit? Second degré? C'est quoi le second degré de tes boosted dans ce contexte? C'est ce que ça veut dire second degré Tu veux une remise à niveau rapide là C'est ça que tu veux on peut, on peut le faire hein Salut ONU, merci beaucoup, bisous à toi oh. Ouais, le psycho qu'il a pris là, il est sévère. J'ai pas trop regardé Soda de jeu encore. les Alces là <laughs> Il faut pas hésiter à traduire aux anglophones ce que raconte Kellop hein. vraiment il mérite de savoir aussi hein. Casser joue demain. Euh, qui lui dit euh... le jeu lag oui bon bah, non je pas Cassé out ils ont pas fait top 16. Bon scream scrimqué top. Ah non le Major de Londres c'est finito hein cassé. Les worlds ça devrait aller. Le danger est faible pour les worlds. Par contre le, le Londres c'est finito. Il hein. bah, y a un monde où ils le font mais. Euh, c'est même plus de la chance quoi, c'est n'importe quoi genre. C'est très peu probable quoi. Allez, 0,1%. Question, comment peut-on améliorer rapidement sa recovery Franchement, soit en free play, soit en match, tu te forces. Hein. Tu peux aussi améliorer ton car contrôle global en allant en workshop en faisant des, des aériennes. T'as contre. Il s'est passé quoi Bah justement, c'est ce qu'on va regarder dans pas longtemps, on va s'y mettre là. Attends encore quelques minutes. Non, je pense que c'est assez personnel. Ça dépend aussi de comment tu joues, de ce que tu veux faire comme mode aussi en vrai. Je pense qu'il y a des caméras qui sont plus adaptées au mode 1v1, plus adaptées au mode 3v3. Ça par contre j'y pense. Comment ça le jeu Spécialité, moi j'étais en biologie, moi. SVT. Jamais ça. Euh, je vais pas faire une vidéo, je pense pas. Bon Prise pas mal. Bah, je sais rien. J'ai pas pré-watch. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Oui, je fais médecine, ouais. En train de me traquer Irel là ou. <laughs> oh, moi je suis pas vraiment euh, anonyme. Hein. Ouais je baisse la musique là. Et on change de musique non On va mettre un truc plus. Parce qu'on analyse quand même une défaite. Euh, J'ai abandonné à la moitié de la deuxième, du deuxième essai. Puisque c'était trop dur pour moi, pas, je me levais à 6h du matin le dimanche. Tout. En fait, j'ai craqué psychologiquement. Euh, mais j'étais bien classé, hein, j'aurais pu l'avoir si j'avais eu plus de mental. Mais les examens, c'était pas fait pour moi, je stressais trop, j'étais malade et tout. Genre la veille des examens, je tombais malade et tout. Enfin, c'était vraiment dur, genre j'avais pas l'esprit le... de compétition. Alors, on a vu le premier match. Alors, petit, euh, petit rappel du contexte. Le contexte, c'est quoi C'est que nous sommes dans les RLCS 2022-2023, 2023-2024, je sais plus. On s'en fout. Donc déjà, on n'a pas l'année. C'est pas quelle année on est. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Euh, c'est pas le plus important l'année. Ce qu'on sait, c'est que cette année, particulièrement, il y a eu deux splits au lieu de trois l'année dernière. J'ai mis je recommence quatre. Vas-y, stop Ça part très mal. Ça part très, très mal. <laughs> Quelle année on est là <laughs> Aidez-moi, me laissez pas comme ça, vous voyez pas que je suis perdu Alors attendez. Euh... Merde, c'est bugué là. Pourquoi j'ai pas de connexion au chat Il y a des frises du, la, du live ou pas J'ai un problème de connexion quoi. Bon, on est en 2024, je crois. Bon, let's go, on s'en fout de l'année. Il, il y a deux majors cette année au lieu de trois l'année dernière. Voilà. Euh, un, un major, c'est un major par saison. Ah, okay. Split, on appelle ça. Un split, c'est trois régionaux. Donc, tout le monde joue dans sa région Europe, euh, NA, euh, KSA, euh, voilà, euh, APAC. Enfin, bref, tout ça. C'est ça. Je les connais pas toutes, ça m'énerve, vous avez compris. Euh, trois régionaux et euh, ceux qui ont accumulé le plus de points là pendant ces trois régionaux et eh bah ben, ils font un major international donc là c'est les meilleurs de chaque région qui s'affrontent. Ok, euh, on a on est au deuxième split. Le premier split, les trois régionaux européens ont été gagnés par la Carmine Corp et le major international a été gagné par Gentlemate. Euh, Carmine Corp n'a fait que top 4, ce qui était euh, étrange, mais euh, c'est déjà pas non plus catastrophique. Un demi-finale quoi. Euh... Donc là, il y a eu le premier Régional. Euh, le premier Régional, c'est Vitality qui l'a gagné. Et Carmen Corp a fait que top 8. Ça a cassé la streak de Vatira, qui n'avait, depuis qu'il est professionnel, jamais fait moins que top 4. C'était donc le pire résultat, le dernier Régional, que Vatira n'ait jamais enregistré. Euh, il a une stat absurde de 28 tournois, euh, ou 29 tournois, ou je ne sais plus, 26. Euh, où il est dans le top 4, quoi. Faux Ah Fake news tu peux développer cas parce que si je dis une connerie il faut me le dire. Euh... Juste faux là wow. Ouais peut-être au début de sa carrière. D'ailleurs j'ai une question, je suis GC2 et quand je joue sur mon smurf pour me chauffer en chambre pour ensuite aller en gc in game, je me fais trash. Bah déjà t'es ban parce que tu t'amuses à aller clapper des gens avec tes GC2. Du coup bah perds ma ban et on te répond pas, voilà. Arrête de casser les couilles au bas niveau, c'est insupportable. Va t'échauffer, euh, va t'échauffer dans le cul de ta grand-mère et arrête de péter les couilles à bas niveau, merci. On fait ça? On fait ça Allez euh, J'en étais où euh... Bon, peut-être qu'il a déjà perdu une fois. On s'en bat les couilles. Arrêtez de m'emmerder. Bref, c'est une de ses pires performances depuis très longtemps à Vatira avec ce top 8. Euh, on était un peu inquiet. On sentait que l'équipe était. Euh... On sentait que l'équipe était un petit peu. Euh... Un petit peu molle, un petit peu désorganisée, un petit peu moins pertinente. Euh, moi j'étais un peu inquiet parce que ça prenait un peu la même trajectoire que l'année dernière où ils ont fait un très bon premier split et après ça a commencé à Alors moi j'avais mis ça sur le compte de la montée de Vitality, mais euh, je pense que c'est pas, pas ça. Je pense qu'en fait, euh, bah euh, pour une raison, ça va être difficile de pas citer de nom, mais il semblerait que cette équipe ait du mal à tenir sur le long terme. Le seul point commun avec cette équipe et celle de l'année dernière c'est Vatira. Est-ce que c'est un lien direct avec Vatira ou pas Disons qu'il y a une forte présomption. On ne sait pas si c'est ça ou pas. Impossible de savoir. Disons que pour l'instant, c'est l'hypothèse numéro 1. Matira bah, a du mal à garder la motivation et à garder euh, ses équipes longtemps euh, au top niveau. Alors ça se trouve, c'est pas du tout à cause de lui. Hein. Mais pour l'instant, c'est le seul point commun avec l'année dernière. En tout cas, ça s'est vérifié à ce régional. L'équipe a complètement de choc, sans vraie raison apparente en fait. Hein. Voilà, ok, ils ont perdu le Major, ils n'ont pas gagné le Major, mais bon. Euh, euh, bon. Ils ont fait top 4 quoi, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça reste correct quoi. Et là ils s'effondrent complètement, ils ne font pas top 16. Ils ne font pas top 16, euh... j'ai regardé les premières games, ils ont perdu une première game contre... Euh... Euh... Bien sûr c'est ça, va. Euh... il faut que tu fasses beaucoup de jeux libres, sinon tu peux faire des petits workshops, il y en a pour débutants, qui sont très bien. Sinon ce qui est bien pour, pour, quand t'es gold, c'est de faire des training packs aussi. Hein. T'en as plein sur mon Discord, tu vas sur le Discord et tu, tu en choisis, tu les testes, et ceux qui te trouvent bien tu les gardes. Euh, merci Tiane pour le sub. Alors, on a regardé la première défaite hier contre Su. Euh, si vous voulez voir la... Non, c'est pas hier, c'était avant-hier. Donc, c'était lundi. Si vous voulez voir, je crois que c'est 3 jours gratuits. Pas besoin de sub pendant 3 jours. Si vous voulez aller voir euh, les replays. Je me souviens, j'avais configuré ça il y a 10 ans. Donc, ça se trouve, euh, c'est plus le cas. Si c'est ça, euh, désolé. Euh, c'est juste que je sais pas. Ce n'est pas de la greediness, c'est de l'incompétence. <laughs> Mais je crois que normalement, vous avez droit à trois jours gratuits pour les rediff. Après, il faut être sub. Euh, donc, c'était lundi. Et là, on va regarder du coup le match de Loser Bracket contre Top Cougar. Ok Ils ont perdu aussi, donc ils ne sont pas qualifiés. Demain, le Top ça joue donc le deuxième régional du deuxième split, et ça joue sans Carmine Corp. Alors, avant de commencer, les conséquences sont assez euh, importantes. Comme il n'y a que deux splits et que les points du deuxième split pour les Worlds valent plus cher, euh, déjà la Carmine Corp est éliminée du Major de Londres. Ça, c'est sûr et certain. Avec un premier top 8... Et euh, enfin, c'est pas sûr et certain, certain, mais quasiment. Ils sont pas euh, 100% éliminés, mais à 99,9%. Puisque, avec un simple top 8 au premier régional et un, moins, un même pas top 16 au deuxième, même s'ils gagnent le troisième régional, normalement, ils n'auront pas les points par rapport au top 4. Parce qu'il faut être top 4 pour aller au major. Voilà. voilà. Oui, je précise que les points pour les Worlds C'est pas les mêmes choses que les points pour les majors. Pour aller au major de Londres, il faut faire des bonnes perfs sur les trois régionaux du major de Londres. Donc, de ce régional-là. Hein. Ils ont des points d'avance par rapport au premier split pour les, pour les Worlds, mais ça ne compte pas pour aller à Londres. Voilà. Par contre, faire des points au prochain régional, ça vaut le coup parce que ça fait des points pour les Worlds. Parce que là, comme ils ne vont pas au Major de Londres et que ça fait beaucoup de points les Majors, ils vont prendre beaucoup, 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 beaucoup de retard, voire quasiment aucun point sur ce split. Et du coup, il y a deux splits. Donc, sans être spécialement inquiet, il y a quand même moyen de regarder et de faire les calculs par rapport aux world, parce qu'il y a un monde où s'ils contre au prochain régional et qu'ils font pas de points non plus, il y a un monde où si ça se passe mal, ils ne feraient même plus les worlds, euh... mais bon, ça reste quand même peu probable. À moins vraiment que les concurrents fassent de très bons résultats là au prochain régional et au Major, normalement ils devraient pas se faire passer devant. Voilà, si Oxygène pop vraiment, ça peut être dangereux. Voilà, voilà. Ce serait... Voilà, ne parlons pas de malheur. C'est peu probable, je pense, qu'il n'aille pas au World. Moi, je n'y crois pas. Mais euh, on m'aurait demandé si je croyais que Cassé pourrait ne pas faire top 16. J'aurais répondu non. Hein, euh, donc, tout est possible. Oui, hein. mais vont passer devant, ça c'est sûr. De toute façon, la Carmen Corp vont perdre des places. Ici, ils vont au World, ils seront mal si ils seront quatrième, je pense. Ou troisième peut-être, mais... Euh... Je vais pas regarder en détail, je dis un peu des trucs au pif, là, mais... Euh... Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, c'est pas, pas très sérieux, désolé, hein, j'ai pas fait les calculs, je laisse ça. Il y a des gens qui adorent faire ces calculs-là, moi, bof. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que Londres, à mon avis, c'est mort à 99%. Et. Euh, les Worlds, ça devrait être bon, voilà. <laughs> c'est pas très rassurant, hein, mais. Euh... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Euh, pour ce qui est de mon classement personnel, bah en ce moment, bah, Karmine Corp a forcément perdu énormément de place. Hein. Là, par contre, c'est pas possible. On peut pas les laisser meilleure équipe du monde. Euh, pour moi, jusqu'au dernier régional, c'était encore le cas. J'ai estimé que le top 8 de la dernière fois était une contre-perf passagère. Là, ils se sont vraiment effondrés. Après, ils peuvent remonter vite. Hein. Euh, J'ai un truc qui s'explique bien, si tu veux. Ok, bah, je veux bien que tu me le DM sur Discord, cabron euh, TC. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec cet accent. Je trouvais ça plus stylé. Bordel, j'ai pris des places pour Londres. Alors ceux qui ont pris des places pour Londres et qui sont pour KerminCorp, euh, bah vous allez, vous allez soutenir Gentlemate. <laughs> vous allez soutenir les années. Il euh, y, y aura pas, c'est mort. Alors, il a dû se passer des choses en interne. C'est ma théorie. Hein, euh... Pour moi, il s'est passé. Les joueurs sont toujours aussi forts. Donc l'équipe s'est effondrée psychologiquement. Quelque chose s'est cassé, sans jeu de mots. Euh... Merci Sladen. On ne sait pas quoi. Est-ce qu'ils se sont engueulés Est-ce qu'il y a un joueur qui a eu un problème privé aussi Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que je vous demande d'être sympa dans ce genre de situation. On ne sait pas. Si... Alors, je ne crois pas que ce soit le cas pour cette fois-là. Mais je le dis maintenant pour les autres fois. S'il y a des joueurs qui s'effondrent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Pitié, ne leur tombez pas dessus. Hein, c'est peut-être leur morale qui s'effondre pour une raison personnelle grave. On ne sait pas. Hein. Souvent, c'est des ados. Ça peut bouger vite. Et puis, il y a des drames dans la vie. Tu vois Genre. Euh... Alors, je ne crois pas que ce soit le cas pour cette fois-là. Hein. Mais faites attention, s'il vous plaît, euh, de manière générale, pour cette fois-là et pour les autres. Euh, C'est des ados. À tout moment, euh, il s'est passé un truc très grave dans la vie personnelle d'un joueur. Euh, on ne sait pas. Et ça ne nous regarde pas. Hein, et il ne faut pas s'immiscer là-dedans. Euh, donc, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tant qu'on n'est pas sûr, il vaut mieux rien dire, s'il vous plaît. Voilà. Euh... Euh, C'est pas le cas, hein, mais j'invente n'importe quoi. Il peut se passer des trucs très graves dans la vie. Ça peut être des décès dans la famille, ça peut être des problèmes personnels graves. Euh, il peut se passer des tas de trucs. Ça peut être un problème de, de, de mental, de dépression. Euh, ça peut être très grave la dépression. Il hein. y, y a plein de gens qui, qui en décèdent. Hein. Donc voilà, faites attention. Quand une performance d'un un, un jeune athlète comme ça euh, diminue euh, brutalement, allez-y mollo, quoi. Hein. Ferra a dit que la prépa avait été mauvaise ou un truc du style. Non, il ne me semble pas qu'il n'y avait pas de facteur. Non, non, mais je dis ça en général. Je sais que ce n'est pas le cas là pour casser. Enfin, je suis quasiment sûr que ce n'est pas le cas pour casser. Mais euh, je le dis juste comme ça. J'en profite puisqu'on est dans le thème. Voilà. Euh... Donc, on a regardé hier les matchs. Pour résumer les matchs de hier, je dirais que je trouve Ato euh, pas du tout à son vrai niveau. Hein, il est beaucoup plus fort que ça. Euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas clutch en solo play. Il, il joue pas spécialement mal, mais il fait des petites erreurs. Une petite erreur, ça fait, ça, ça fait perdre une action, tu vois. Ça donne pas un but, mais une action où il pourrait peut-être marquer, ben il marque pas. Une action où il pourrait peut-être défendre, bah ben, il prend le but. De Deux challenges plus tard, ça, ça a des conséquences. Donc il y a des petites erreurs mécaniques. Côté Rise, je le trouve plutôt bon globalement. Euh, lui, son problème, c'est ses challenges en P1. Quand il a le challenge, euh, il passe pas mal à côté du ballon, des fois, hein. il touche même pas c'est arrivé et à chaque fois ça fout quand même bien la merde euh, quand il passe complètement à côté de la balle comme ça, euh, donc pour le coup il fait peu d'erreurs mais euh, quand il en fait une c'est souvent wow, un peu embêtant euh, Vatira je le trouve euh, mou euh, j'ai trouvé euh, il rotate lentement, il arrive en retard il est, il est un peu en chillance, il se balade un peu sur le terrain comme s'il n'était pas dedans euh, c'est un peu ce que j'ai vu euh, c'est un peu ce que j'ai vu euh, lundi A euh, voir si ça se confirme pour le match là peut-être l'air saoulé je sais pas euh, voilà alors, on m'a on donné un tweet. Ah, il y a quelqu'un qui a fait les calculs en précis. Enfin, euh, donc, euh, on va se fier à ce qu'il a dit. Hein, C'est ce, Archtux Cassé sur Twitter. En faisant déjà la projection du deuxième régional, presque comme le premier, et donc j'ai fait une hypothèse sur les scénarios de qualif au major. Pour se qualifier au major, il faut top 1 cassé et BDS top 15, Oxygène top 9, Grid top 9. Bon, hein? Euh... Donc là, euh... et puis il y a quand même des trucs pas, il y a des trucs qui sont de la prédiction. Hein. Voilà, voilà. Bon, pour ce qui est, des... il a pas fait les worlds. Ouais, bon, ça reste quand même de devinettes. Hein. Ça a l'air sérieux comme calcul, mais. Euh... Ouais, non, euh... c'est ça, euh, c'est pas possible. Je vais ouvrir la fenêtre parce que je vais avoir chaud, je sens là. Donc je sort les poubelles dans cette pièce. Ah. Ah. Oh. Ah. Bordel ici. Bon. Euh, voilà. On y va Allez, parce que là, j'ai perdu trop de temps. À 21h30, j'ai un coaching. Euh, hop. Ouais, un major s'en va c'est pas arrivé depuis longtemps. Allez, premier match. Alors on va faire comme de la dernière fois. On n'est pas dans une analyse. Je vais dire un peu tout ce qui me passe pas la tête. Euh... On va regarder un petit peu. Alors parfois je vais critiquer un joueur s'il fait une erreur. Hein. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bon. Euh, ça veut dire qu'il a fait une erreur. Ne hein. surinterprétez pas tout ce que je dis. On va regarder. Alors on m'a donné les replays, mais on m'a demandé de pas trop analyser. Euh... C'est le... Top Cougar qui m'a filé les replays. C'est Gregan, je crois. Euh... Il m'a demandé de ne pas trop regarder, de ne pas trop commenter comment ils jouent, donc je ferai peu de commentaires sur l'équipe. Euh, Peut-être des jugements si je trouve qu'ils ont très bien joué ou quoi, mais pas plus. Je vais limiter au maximum euh, ce que je pense des forces et faiblesses de l'équipe ici, voilà. Tout le monde s'y espère, hein, faut, ça va durer. Euh, oui, c'est ça. Mais oublier Londres, c'est pas évident pour eux, hein. c'est vraiment un premier très très gros échec pour Vatira. Allez on est parti on regarde un petit peu je sais pas du tout sur quoi je vais tomber encore une fois j'ai pas du tout euh, euh, pré-watch ils ont tenté un kick-off particulier il va prendre le boost derrière ici ça c'est bizarre hein. euh, parce que ça j'adore ouais et puis là il peut pas l'avoir je comprends pas la strat là c'est quoi le principe il fake et il essaie de ah c'est un tir direct qui tente c'est un tir direct en fait Ok, ah, ça a foiré hein. Donc du coup saut directement. Ok, donc là on a ce qu'on veut. On veut un P1 ici, c'est Batira. Derrière, on se met d'accord. C'est Atto qui prend cette balle. C'est un peu long, il s'est fait du coup après euh, jump, rise et backup up. Ok. Donc, jusque là, tout se passe à merveille. On prend un max de plaisir. On va avoir un P1 ici, on va avoir Rise et Atto qui rotate. Oh, on a une rotate back post d'Ato, quel plaisir On en rêvait. C'est très rare de voir ça. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Hein. Rise qui prend le premier poteau. Atto qui prend le second poteau. Voilà. Que se passe-t-il Ok. Pourquoi mon truc se pète la gueule là Okay. Désolé, j'ai... La rota était propre pour l'instant. On va voir un 50-50. Il a un seul backup et un joueur sur la rota qui bump. Donc on a Rise ici qui va mettre de la pression. Atto va gagner son duel. On est en situation ici de 2v1, voire presque de 3v1. Batira qui va aller backup derrière. C'est dommage, hein il aurait dû peut-être laisser accro qui n'était pas du tout une menace ici. Je sais pas si accro représente une quelconque menace. Là, il faut absolument backup sur ça. Et là, il se trouve que Ato a perdu ce duel. C'est dommage s'il le gagnait. Je pense que c'était but. Donc, on est en troisième joueur. On va essayer de tempo. Pas possible. Rise est bien positionné. Donc, là, on veut garder la balle, attendre du backup. Peut-être prendre un air 50-50 ou se faire aider. Donc, ça, c'est bien joué. Il a bien temporisé. On a eu le temps de se repositionner. qui est bien positionné. Qui va pouvoir aller marquer un très beau but. Très beau tir. Pour l'instant, c'est impérial. Hein. On n'a pas grand chose à dire. On voit Ato ici en train de rotate. Va est prêt à prendre la relève si besoin. Franchement, c'est super propre pour l'instant. J'adore. Ça me plaît bien ce que je regarde. Pour l'instant, l'instant je, je, je valide. Pas grand chose à dire ici. On a l'Alstrad Kikov, qui va se faire pas mal contrer. Là, on a besoin de temporiser au maximum. On veut un joueur qui revient second poteau et un joueur peut-être qui va aller se défendre le backboard. C'est ça. Vous voyez, on a un Vatira pour défendre le backboard. Et une personne qui arrive du second poteau et qui va se rapprocher. Alors là, il y a une faiblesse dans l'équipe, c'est le second poteau. Voilà, mais ça va aller... Bah non, ça va pas aller. En fait, là on a un P1, c'est tout, ok Raiz arrive du back post. Il défend la partie à gauche ici du terrain. Hein. Vatira est, dans le, est pas dans le bon sens de rotation. Mais il défend le backboard au cas où Accro arriverait à dunk à et attaquer le backboard. Moi je pense que c'est un peu une erreur puisque Rise s'il reste ici, il peut défendre le backboard aussi. quoi. Mais ils font le choix que Rise s'avance pour aller prendre la balle derrière. Je sais pas ce que c'est que ces petits sur sursauts là. C'est particulier. Hein. Je pense que c'est ma souris. Donc là, euh... Rise il est en backup en P2. Il va se faire outspeed même s'il bump. Et là du coup va Le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens. Il aurait... Ici, il était là. Vous voyez que ça, ça posait pas de problème du tout. Hein Putain, tout frise de fou. Ben, c'est un truc de malade. Hein. Ça posait pas du tout de problème. Il aurait pu, mais il arrive de l'autre côté. Il est dans le mauvais sens de rotation. Tout le challenge est plus compliqué. Il va perdre ce duel. Oh là, le son est fort. Tout est bizarre sur ce jeu. Une mise à jour de ma carte sont là, c'est l'horreur. Tout est déréglé. Je suis désolé, j'ai plus de compresseur en plus, donc attention à vos oreilles. Moisson de rotation, but, même s'il est cohérent, ça reste pour moi une erreur. Si on va vouloir jouer en solo ou peut-être avec son. Ouais. Vatira qui était devant, qui va rester devant pour jouer auprès de Rise. Donc on a un joueur, le joueur qui a la, la possession qui est au milieu avec un backup derrière, c'est très bien. Là, la, la win condition serait que Rise arrive à combiner avec Vatira, ce qui n'a pas. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est moi qui bouge les câbles et... Euh... Regardez. Il faudrait que je désactive la souris. En fait, ça... Est... Regardez Je touche à rien C'est la manette qui fait ça C'est cette putain de souris là. Je retourné. Maintenant, il va plus bouger là. C'est bon. Ouais, je l'ai retourné. Allez. Mmh. Donc là, on attaque. Atto, il va pouvoir turn, mais il est un petit peu loin. Rise, il va devoir y aller. Pourquoi est tout est petit là Il s'est passé encore un truc là. Pourquoi tout est tout petit là Qu'est-ce que c'est Pourquoi le jeu est devenu minuscule Vous trouvez pas que c'est petit là ce que j'ai modifié là, sans faire exprès. Comment on le modifie C'est quelle option, ça Il y a une touche C'est laquelle Non, non, c'est pas échelle d'inter... Parce que ça, c'est normal. Je l'ai toujours mis euh, comme ça. Ça ne change rien. Ah c'est la molette de la souris Oui c'est ça. Bien vu. Quel enfer On va y arriver. Mais ça, rep ça repique vers le bas Attendez. Je pense qu'il y a un problème avec la manette. C'est un décalibrage de la manette. Oh, ça a bien. Un test de jeu. Wait. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, wesh? Je comprends pas ce qui se passe. On va essayer, hein, mais là je... Avec ce bug, euh... ça va être compliqué. Hein je vais changer de manette au pire, je mettrai l'autre. Allez, on reprend. On en était où On était là. Ah puis les frises du jeu, ça c'est encore autre chose. Ah <laughs> l'état du jeu. Hein. Ah putain, l'état du jeu, Rocket League. Ok. Mmh. On saute, il y a du backup. Ouais, donc là, il maintient l'impression en temps numéro 5. Alors, dans Rocket League, souvent, tu as euh, trois joueurs qui vont pouvoir sauter rapidement, tu vois. Le P1 il a plein de boost, le P2 aussi, le P3 aussi. Les trois gens vont s'enchaîner. Et souvent, si, si la réaction à 3 est trop rapide, le premier n'a pas eu le temps de reprendre du boost et de rotate. Du coup, il y a un temps numéro 4 qui est un temps mort. Euh, Ou souvent on perd la possession à ce moment-là. Donc, pour éviter d'avoir des temps morts, soit tu slow le temps 3. Tu ralentis le temps 3 pour permettre au, au premier joueur de, de l'action de revenir derrière lui et d'enchaîner. Soit tu fais 3 temps un peu lents et tu essaies de maîtriser le rythme de la game de manière à pouvoir enchaîner non-stop. Merci André. Donc là, il décide d'enchaîner. On voit qu'il euh, va manquer un joueur. Il y en a. Il y a Vatira qui a dû partir. Et du coup, il perd de la possession à ce moment-là. C'est normal. Euh, Peut-être que qu'Ato ah, aurait pas dû trop push à ce moment-là. On c'est sans conséquence. Là les trois se suivent bien. On a à Atoka du boost. Et là on attend quelque chose, d'Ato. Moi mon référentiel il est hyper simple. Si j'aurais pu faire comme lui à mon prime, c'est que c'est de la merde. <laughs> Et là on va quasiment se prendre un but là-dessus. Ok. Va bah, tirer en balade là. Hein. Oh là là, ils doivent prendre un but là-dessus. Hein. Ils vont pas le prendre, mais euh... qu'est-ce qu'il fait, Vatira là Ok, turn. Il veut bump. Ça, ça, ça ressemble à, à ce qu'on a regardé lundi. Qu'est-ce qu'il fait là Ok, il est dans son monde, on dirait. Vous, vous trouvez pas bah là, il est, il est hors de la rota, là, il anticipe des trucs qui n'arrivent pas là. Est-ce que c'est un problème d'anticipation Est-ce qu est -ce que c'est lui qui essaye de nouvelles choses En fait, là... Là, ils il suivent... Ok, il peut pas l'avoir. Là, il peut pas l'avoir. Vous voyez, il... Là, il peut pas... Ok. Mais je sais pas. Il, il attend pas, en fait, il push beaucoup. Il push, il se balade en espérant que la balle tombe sur lui. Je trouve qu'il y avait un peu ce délire hier. Mais je trouve ça bizarre, ça lui ressemble pas de, de se promener au hasard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Personne ne va sur la balle, regardez, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait, Vatira là Encore. Regardez. Ok, il avance et. Et, et, et... et il s'en va. Genre bizarre, non vous trouvez pas que c'est bizarre Genre, il y va ou il y va pas, je comprends pas oh, oh, Il a rotate tout seul dans le vide. Ok bon il l'a c'est bon mais. Je sais pas c est, c est, c est, ça me... je sais pas. Comme s'il arrivait pas à lire le jeu, ouais. Exactement. Comme s'il arrivait pas à comprendre ce qu'allait se passer. Ce qui est quand même bizarre pour Matira. C'est mon top 2 meilleur joueur du monde. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais. Ok. Mais là, vous voyez, il veut bump. Mais il n'y a personne pour marquer là. Tactiquement. Donc, euh... là, toi, il est positionné pour que Vatira fasse rien. Ensuite, il s'avance. Et Vatira fait rien. Et donc, il est battu. Vous voyez, c'est bizarre. Mon top 1, c'est zen. Moi. Ou une défense premier poteau, j'adore, ok ça va Ok il passe, bien joué, c'est pas mal joué J'aurais pas pu le faire donc c'est bien joué Là ah, c'est but, très bien encore okay. Ah c'est pas mal, ils se sont bien suivis mais il y a quand même des signes bizarres je trouve Non pas trop loulou là Tu sais s'il est, non je pense pas qu'il regarde non, je m'en fous un peu euh... Mon avis est forcément pas hyper intéressant pour un top player puisque moi j'ai pas les inside en fait. Eux ils ont les insides donc ils ont forcément une analyse différente. Moi là j'essaie de comprendre et je décris ce que je vois tu vois. Donc euh, ça, peut, ça peut être intéressant pour eux mais pas forcément. Parce que là quand j'ai pas les coms du coup des fois je vais voir une erreur alors que c'est un com qui a été mauvais tu vois. Les comms ça peut changer le rôle de la game et moi je peux pas le savoir ça. Ouais c'est ça. Donc forcément. Euh il me manque des données pour avoir une analyse totalement pertinente dans l'optique de, de les analyser pour les coacher. Là, c'est pas ce que je fais. Je regarde ce que je vois et je me pose des questions et euh, je fais des hypothèses, mais c'est pas pas assez précis pour être utile pour eux. Et puis ils ont un coach ouais c'est ça. Moi je suis pas leur coach. Ça fout de mes journées. <laughs> moi je suis là pour regarder. Essayer de comprendre ce qui se passe de mon point de vue extérieur. Bon alors. Vatira encore une fois qui est très devant. C'est quand même bizarre ça. Je, je... Parce que moi j'aime bien avoir un joueur vers l'avant, c'est vrai. Mais dans le cadre d'une transi franche, tu vois. Je comprends pas ce joueur devant là qui va avancer là. Il fait souvent ça Vatira hein, là. Ça, ça m'étonne cette stratégie là. C'est assez, assez bizarre. Bah oui, du coup, euh, ok. Là, moi dans mon univers, à moi, Vatira doit rotate et éventuellement Simas au mid. Et Ato doit avancer énormément pour éventuellement recevoir une passe en transi. Moi, c'est comme ça que je la jouerais. Et eux, ils envoient Vatira devant pour balayer le gars et libérer l'espace. Et du coup, Rise là, il... il doit analyser ce qui se passe, réussir son coup. Et sinon, Atto, il est en défense, quoi. Là, Atto, comme Vatira est devant, il doit et recevoir la balle de Rise et backup, et être là aussi. Il doit être là au cas où la balle bouge pas. Il doit être là où la balle va derrière. Il est dans une position impossible, Atto, là. Et c'est normal qu'il prenne ce but, là. J'ai du mal à lui en vouloir. Oh, très beau but d'accro. J'ai du mal à lui en vouloir en fait. Il est tout seul derrière. Euh... Rise a un peu mis. Atto a fait ce qu'il a pu. Je sais pas pourquoi il va vers l'avant comme ça euh, à ce moment-là. Parce que moi j'aime bien avoir un joueur vers l'avant. Alors là, vous m'entendrez pas dire le contraire. Ouais, kick off goal. Vous voyez les fameux, les fameux changes de, de Rise en P1 qui touche pas C'est de ça que je parle. J'en ai parlé au début de l'analyse. Ah, il fait pas beaucoup d'erreurs, je trouve. C'est un peu le meilleur joueur là depuis les deux BO que j'ai regardé. Mais ça, là, ça arrive assez régulièrement et les conséquences elles sont embêtantes. Genre, il peut la toucher là, il devrait la toucher là, au moins euh, faire quelque chose. Parce que là, le fait qu'il touche pas, bah, c'est but. Ils tente des stratégies au kick-off. Est-ce qu'ils ont trop abusé sur les strats de kick-off pour s'entraîner Parce que s'entraîner en régional avec contre Top Lugar, euh... C'est plutôt déconseillé quand même. Hein. Bah, les strats fonctionnent moins parce que les gens s'y attendent de plus en plus, tu vois. L les tactiques kick-off, pour moi, c'est exactement comme les, comme les mécaniques en général. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de toujours améliorer une mécanique et qu'il y a des espèces d'effets de mode Parce qu'en fait, tu ne peux euh, bien défendre une mécanique que quand tu te l'es pris dans la gueule plein de fois et que tu sais la faire toi-même. C'est pour ça que les meilleurs joueurs. Eh ben, ils vont avoir des, certaines mécaniques qui sont plus avancées que les autres, et ils vont clap tout le monde comme ça. C'est un peu ce qu'a fait Zen euh, l'année dernière. Mais maintenant, les gens s'y attendent de plus en plus. Donc, il va falloir qu'ils développent de nouvelles techniques pour les surprendre à nouveau. C'est un petit peu pareil avec le style de jeu ou les phases de jeu. cest dire que quand c'est nouveau et bien, et bien fait, ça surprend les équipes adverses qui ne trouvent pas de parade tout de suite, et ensuite elles s'adaptent. Euh, c'est valable pour la tactique, mais c'est valable pour la, pour la mécanique aussi. C'est pour ça que, sans aller jusqu'à dire qu'il y a des méta, euh, il va y avoir des styles de jeu qui vont dominer et euh, les gens qui vont s'adapter à ça, ou pas d'ailleurs. Il y en a, ils ont un style de jeu tout à fait euh, classique et ça marche très bien aussi. Hein, à l'image de Gentleman, par exemple, qui va juste prendre un petit peu des trucs à droite à gauche, mais globalement qui joue juste bien. Hein. C'est juste une beau Rocket League, solide, compétitif. Cette défense me, de, me, me questionne sur le sens de la vie là. Batira descend dans le but. Je suis pas sûr de ça. Hein. Je suis pas sûr de ça. Hein. Il a 20 de boost. Là il est à 50. Là il dépense tout. Nice. Ah, double commit en fait. I don't know. fait à toi là oui, il a change à tirer là oh là là là, là, là. oh rise qu'est ce qu'il a fait à toi là c'est quoi ce ball chasing là il a pété le câble à toi là Ah ça c'est du grand ball chase rlcs c'est du jamais vu là il s'est trompé de camp là là il est en train d'attaquer dans le camp d'en face là il a il a il a ok il a des mots là Ça va, ça va. Je croyais que c'était lui qui avait changé. Ok, but. Nice. Okay. ok. Le temps passe trop vite bordel, j'aurais dû commencer plutôt ce live. Je, je finirai après au pire. Ou on accélère un peu quoi. Comme vous voulez. Vous voulez qu'on accélère ou vous voulez qu'on finisse après Là c'est la première game, hein, j'avance pas. Hein. J'ai le coaching à 21h30, donc on euh, va finir après le coaching. Ok. Ou peut-être demain, hein, ça peut aussi être demain. Ouais j'ai eu des problèmes techniques. Comme d'hab en ce moment. Mm -hmm. Allez, on se follow de près, c'est bien. P2, P3, tout le monde est là. Tac-tac. Ok, il n'y a pas de P2 là. Il n'y a pas de P2. Derrière la courbe. Il doit aller. Ils attaquent à 3 d'habitude là. J'arrive pas à savoir Atto son rôle dans cette action là. Ouais. Toi, je préférerais qu'Atto il plonge par ici. Et que Vatira, il attend bien derrière là en P2, quoi, pour aller prendre cette balle. Parce que là, il pourrait par exemple infield pass, tu vois, ou même tirer. Piche. Grâce au bump, là, c'est open en vrai. C'est bizarre. C'est pas, c'est pas. C'est pas très bon. Ouais, la transition va l'avant, ça j'adore. Infield Ouais. Bah ouais mais pourquoi il rise il a pas le call infield field là Oui ça va Là c'est superbe là Allez Oh J'ai envie d'y aller avec ma caméra Dommage. Ouais, je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais ils arrivent pas à se lire, à se comprendre, tu vois. Non, puis surtout, Rise, euh, qu'il ait lu le, ça ou pas, euh, il faut aller vers l'avant, tu perds 3-4. Ouais, ils n'arrivent pas à se comprendre, ils n'arrivent pas à... Non, la passe était bonne là. Mmh. Allez, donc ça c'est gagné. Il y a plein de buts, t'as 9 buts. Non, je sais pas, on dirait qu'ils sont désorganisés. Je sens un manque de confiance chez Atto, ça c'est sûr. Mais euh... Rise, il est comme d'hab. Bah, Tirage, c'est bizarre aussi. Il a été excellent au dernier régional, même s'ils ont fait que top 8. Là, je sais pas, il a pas très bien joué aujourd'hui. Il a l'air un peu perdu. Ça, là, je comprends pas, par exemple. Qu'est-ce qu'il fout Oui. Allez, vol à tout là, bing. Voilà. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> Merde. C'est Le jeu hein, qui frise, je peux rien y faire. Un à conseiller. Non, mais arrêtez, ça arrive par contre. Faites pas les bâtards. En vrai, il joue bien pour l'instant. Par contre, ouais, moins 200 balles sur le salaire, c'est minimum. Je pense que tu lui dis c'est pas grave, mais on divise ton salaire par deux. Ça recommence encore ce bug. Vous voyez ça là, typiquement? Pourquoi il a pas de backup Pourquoi Encore une fois le back post gagne. Hein. Bon, ils veulent pas défendre le back post, ils attaquent back post et c'est but. Ouais, Accro a bien joué, mais je pense qu'il faut pas. Acro a bien joué. Simas aussi surtout, c'est surtout Simas qui fait le boulot. Là. Non mais c'est bien joué, mais bon bah le back post pas défendu, ils y passent côté opposé, c'est but. Ah. Mais on note quand même que en fait ils perdent des duels qu'ils perdent pas d'habitude, tu vois. Genre là, Vatira touche pas, c'est bien joué en face, mais bah quoi, bah... c'est quoi, Vatira est moins bon Non, je crois pas. Pourquoi il y a un double commit là-dessus là. là Toi. Il peut pas, il peut, il. Arr... C'est marrant, je trouve c'est vraiment ce qui choue. Hein, euh... En fait le, le, le problème de, de, de faire des mis touch et des. Pff, regardez ça. Ça c'est c'est la team du peuple ça. La relance d'ato là. Il a voulu jouer avec Rise en fait, là, j'ai du mal à savoir si Atto fait une passe à Rise et Ryze s'en bat les couilles. En fait, on dirait nous. Remise dans l'axe, blam T'as rien à faire, hein Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont pas bien, hein. Ils hésitent un peu comme nous, on est toujours en train de se gêner dans la team du peuple pour ceux qui suivent mon équipe. Bon, nous, on n'est pas pro, on s'en fout, on rigole, tu vois, mais on est tout le temps en train de se gêner là. Le pire qui puisse nous arriver dans la team du pub, c'est que les trois joueurs soient en confiance et en forme. Hein. Parce qu'on on est tous en train de vouloir toutes les balles et on <laughs> tout le temps. Mais nous, c'est normal, tu vois. Eux, c'est bizarre d'aller voir aussi mal organisés, en fait. C'est vraiment un problème d'organisation qui est lié à des problèmes de touch aussi, avec des décisions qui sont assez mauvaises. Merci à C'est un que j'en ai pas fait de vidéo YouTube. Il a, là, je comprends pas qu'il puisse y avoir un but là-dessus, genre. Ok ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf. Atto, comment il peut être tout seul à ce stade de, de, de la, du repli défensif Rice n'aura strictement rien fait dans cette action. Ils l'ont laissé Atto tout seul. Et Vatira, ça rejoint ce que, je dis, ce que je disais. Je trouve Vatira, comme le match d'avant, en balade. Ah, il y a un bug de boost, mais. Vous avez vu, il est en train de turn offensivement C'est bizarre, non Vous trouvez pas ça bizarre Là, il est en chill. Déjà, la recovery est ratée ici. Là, il faut prendre la ligne de pad au milieu et passer en supersonique. Pourquoi il passe pas en supersonique là Là, il passe en. Attendez. Je suis pas fou. Il passe en supersonique au milieu du terrain. Là, il est en supersonique. Donc là, vous allez me dire qu'on est... On est dans un monde. Là, c'est ce que les gens veulent me faire croire. On est dans un monde où, où il faut ça de distance à Vatira pour passer en supersonique. Désolé, ça, en coaching platine, je le critique ça. C'est trop bizarre, ça lui ressemble pas. Non mais sans aller jusqu'au zapdash jusqu en sortie de. Oui, vous se vous trouvait pas que c'est laborieux ces repositionnements Comme s'il n'était pas dedans. Non, mais là, il prend le, le pad ici, là. Il, prend, il, il roule, en, sup, il roule en, en accélérateur. Il prend le pad. Il fait un front flip avec le 12 de boost. Il est en supersonic ici, là. Il passe en supersonic ici. Là, il se bat avec sa manette comme s'il avait un problème de contrôleur. Et là, il est en supersonic, mais vachement plus loin. Hein. Là, il voit que c'est la merde. Il se dit, Rise. Va... Alors là, il se dit, je pense, Rise va l'avoir. Du coup je turn pour prendre sa passe, sauf que Rise l'a pas, du coup bah cringe but. Oui Là c'est pareil hein, moi j'ai du mal à comprendre ce qui se passe ici là. Il se balade là, parce qu'il a pas de boost. Mais qu'est-ce qui s'est passé là sur toute cette action pour que... En fait il s'est fait balader par les petites passes là, ça lui a retourné la tête. Allez ils sont perdus hein Mais confiance à quoi Y'a un problème de personne challenge là Je suis désolé, ce but est bizarre. Genre. Euh... Les trois, les trois. Ato peut pas faire grand chose là pour le coup. Mais. Euh... Je sais pas s'il pouvait l'avoir, mais il était perdu là. Vatira qui met un demi-stade pour passer en supersonique, c'est bizarre aussi. Hein. Le fake challenge qui a failli être dramatique. Oh là ça va. On dirait qu'ils ont pas envie de jouer. Ça je reconnais ça, moi aussi je fais ça quand j'ai envie de jouer à WoW et que j'ai hâte que le scrim se finisse quoi. <laughs> je suis en train de penser à ma hache là. <laughs> non si, je connais ce sentiment là. Trop pris à la légère je pense pas là, ils sont stressés je pense. Hein. Non, et puis je sens de la tension, tu sens que c'est pas, qu'ils prennent pas de plaisir là. Moi, mon, moi Ato me fait, me fait trop de peine dans son gameplay là, hein. j'espère que ça va. Hein. Je sais pas, il a, il a pas l'air de s'amuser. Atto c'est, ça s'envole, ça, ça flexe dans les airs, euh, je sais pas comment dire, c'est un gameplay de fou. Atto c'est mon top 3 normalement. Je sais pas, il est tout éteint là. On dirait qu'il s'en fout. Ou il y arrive plus. On dirait il a pris 30 ans et il se fait hot-speed par des, par, des, par des enfants là. C'est toi l'enfant le, insolent à toi là, il faut s'envoler là. Bien joué. Ouais, je sais pas. Ouais, un peu mode automatique. ou En tout cas, il y a quelque chose de grippé de fou. Hein. Que moi Ce que j'ai envie de faire là, c'est de lancer un replay du, du, du premier régional. Hein. Le premier régional. C'était absolument extraordinaire en permanence. Moi, je pense que le rythme est trop élevé et que ça fait trop de pression. Ouais, ça, je ne je, je suis pas allé voir leur tête, mais à mon avis, c'est pas la peine. Hein. Je sens qu'ils sont pas heureux là, sur le terrain là. Moi, j'en peux plus de ces, de, ces, de ces accélérations de Vatira là. Pourquoi ils ne il flip pas là Regardez cette accélération. C'est pas possible. Il y a un problème. Là. Pré flip, speed flip là il va tout droit comme ça Allez dash là Pourquoi il fait il... il... Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette accélération là Allez là là speed flip là Il, il fait un gros tout droit en se mâchant son boost c'est trop bizarre, il se passe quoi là ils sont où mes mechas là on, on accélère plus comme ça sur un truc comme ça. Il se méfie de la démo mais il faut arrêter de se méfier de la démo là. Hein faut y aller là. Moi je les trouve lents. Mais lents mécaniquement là, pour le coup. Mécaniquement c'est faible, hein Ça passe bien joué ça. Smart, il y a encore le cerveau, mais. Il oh, y a vraiment des, des accélérations et des, des, des déplacements qui sont pas normaux. Encore les strates. Euh... Oh là 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 Mais qu'est-ce qui ah c'est douloureux à voir. Hein. Il se fait détruire vraiment. Non mais il est pas bien là. Là c'est qu'il est stressé là. Il est tilté là. Oh là, là il est complètement tilté là. Je pense là il panique là. Là ils sont ils sont ils sont ils ont peur. Il y avoir la petite voix chevrotante. Euh, ils se disent, mon Dieu, comment ça se fait qu'on gagne pas 18-0 Mon Dieu, on peut perdre, tu vois. Je pense là, il y a la défaite. Il est... Est... Je pense là, pour faire un truc comme ça, as la... il y a la défaite qui est passée devant ses yeux là. Il pense à la défaite là, c'est sûr. Là, il est... il est pas concentré dans l'instant présent. Là, il est en train de se dire, oh mon Dieu, si on perd, on va pas à Londres. Hein. La... Moi, je pense que c'est plus le top 8 qui les a affectés plus que... Oh Mais qu'est-ce qu'il faut Putain, oh la panique totale. Oh La rota premier poteau. <laughs> pour... Je suis désolé, je rigole. mais Ils étaient à fond Ils sont à fond là Je <laughs> suis ça, désolé, ça, c'est incroyable en vrai. Ouais. Même nous, on l'aurait pas tenté. Même nous, on l'aurait pas tenté celle-là. Je pense en coach, je sais pas, ça dépend des joueurs. Moi, je pense que je tenterais un appel à Lego. Là. Ils sont en train de se chier dessus là. Donc là il faut leur dire les gars vous êtes les meilleurs joueurs du monde, vous allez pas perdre contre eux et tout. Euh, tu sais là il faut, il, faut les, il, faut les, il faut les vexer là. <laughs> Qu'est-ce qu'ils font Là ils ont ils ont peur là. Soit tu les rassures, soit tu les vexes, je pense. Moi je suis plutôt team vexer les joueurs mais... Euh... Tout ne marche pas de la même manière avec les joueurs. Il y a des joueurs, il faut les vexer. Il y a des joueurs, enfin, ça dépend des joueurs en fait. Et je les connais pas personnellement, donc je sais pas ce qui marche avec eux. Mais là, moi je lâcherai un petit, les gars. Non, je finirai pas cette phrase. Je dirais un truc, mais je vais vexer des personnes, donc je dirais pas. Non, mais regardez, il a raté encore là. Ouais, ce gars est trop fort, vraiment, je reconnais pas. Il rate absolument tout ce qu'il fait... C'est pas du tout, c'est pas du tout, Attira. Attira, bah, il fait une petite erreur comme ça par BO, on la note, tu vois, là c'est tout le temps, genre. Quasiment à speed là Ah c'est dur d'aller sur la balle là Allez Oh et puis les autres en face là ils s'amusent bien là Waouh wow, ça va pas trop s'amuser non plus Je connais ce flic C'est le brozo flic Ok Ouais Et c'est bump Dato mmh. une petite dinguerie Putain ça fait longtemps le highlight d'Ato quoi Alors dribble passe avec le fake à la fin. Ouh, ouh joli voilà. Merci. Là on reconnaît un peu l'équipe. Et là vous voyez, ce qui est particulier c'est qu'ils attaquent à trois là. Là j'aime bien quand ils sont à trois là comme ça. Mais ils sont en train de se chier dessus. En face, tu sais quand t'es un adversaire de cassé tu, sais, tu dois sentir la, la faiblesse là. En face ils sont pas dupes hein. Ils voient ça, ils sont en mode ok c'est bon, ils sont tiltés, euh, on, a une, on a notre chance, tu vois. En face, le mental, il est décuplé, quoi. Genre, tu vois, tu vas tirer à rater une balle, t'es en mode, c est, c est, on a une chance, tu vois. C'est pour ça que les grosses teams comme ça doivent vraiment éteindre leur adversaire très tôt. Parce que si au bout de 10 secondes, tu vois, Zen, il, avait, il faisait beaucoup ça l'année dernière. Genre, euh, au bout de 10 secondes de game, tu sais, les mecs, ils sont en face, ils sont comme ça en mode, allez, ça va, ils sont pas si forts, on va gagner. 10 secondes de game, kick off, back, double IZ, double tap, but. Et les mecs, ils ont déjà perdu. Genre euh, tu sais leur leur en fait il faut éteindre les espoirs de l'adversaire si tu veux gagner, il faut atteindre le moral. Et là euh, ça doit booster tellement. Qu'est-ce qu'il fait Vatira là, il fait du pole dance là Putain. Michael Jackson là. <laughs> oui bien joué mon top 2 voilà et là ça s'est très bien joué mais euh, mais c'est pour ça que c'est les meilleurs en fait c'est parce qu'ils font ça tout le temps ok donc il y a eu deux belles actions à la fin moi j'ai envie de faire une toute petite pause juste parce qu'il y en a qui connaissent pas bien ce joueur. J'ai envie de vous montrer un truc, je suis désolé, j'en ai besoin là. Est-ce qu'on pourrait prendre deux minutes pour regarder ça, s'il vous plaît Parce que moi, j'étais dans le train d'ATO bien avant qu'il soit déjà cassé. C'est une petite vidéo YouTube, là, on prend deux minutes là pour regarder parce que... Voilà. Merci. Là Merci Oui ah. 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 Oui Oui Ah ça fait du bien ah. Oh. Merci, rendez-moi mon atout là. Hein. Là Ouais, c'est que là, excusez-moi, mais... Euh, il, faut, il faut il faut remettre un peu les. Euh, il, il faut se rappeler, quoi Voilà Petit double reset en double tap, là

Oh, le petit matin. Là. <laughs> oh là 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 là. et, euh, et libéré à tôt là. Non, non, je suis désolé mais là j'en avais besoin là. Hein. J'avais prévu on, on finira l'analyse après, on va en refaire un match là avant le coaching mais là je me sentais trop mal là. Hop là Hop là Putain que à zen putain. <laughs> voilà Mieux. Bah si c'est le hato du premier split il faisait... Ça c'est mon top 3 ça C'est mon top 3 meilleur joueur du monde ça Il était en road tout top 1 là Libéré hato là Ça me dites pas c'est du highlight ou c'est du 2v2 hein. C'était tout le temps comme ça Euh, mon top 1 c'est Zen. Ah ben là, j'avais besoin de, de, de me purifier là. Oh Le mouvement, il est incroyable. Allez hop. <laughs> Feko, c'est son frère pour info. Il était joueur semi-pro, presque pro. Il a joué avec D7. Il faisait les. Voilà, petite histoire. J'ai souvent euh, combattu son frère à Atto à l'époque, même s'il était plus fort que moi, hein, largement. Déjà. C'est les LCS ça, les hein. Là! On voit que je, je pense qu'il y a un problème au niveau du, du mental, que quelque chose s'est cassé, il a plus le droit de. Je sais pas, il a plus le droit de freestyle ou quoi là Mais ce gars-là, il faut le laisser en roue libre, en fait. Un minimum, quoi. Je sais pas, il a l'air bridé en ce moment. Euh... Je vois plus ses mechas flashy. Euh... Parce que c'est vraiment un joueur qui s'en bat les couilles et qui clip tout le monde en boucle. Regardez ça, c'est incroyable On veut voir ça, en fait. Alors on voit des fois... Euh... Mais là en ce moment on est content quand il fait une double, tu vois. Oh. Ouais je sais pas pourquoi il strike pas plus là. C'est le striker dans la Carmine normalement. À, à team, Sa première team c'était euh, Liquid. C'est un former euh, joueur de Team Liquid. Il est parti de tout en bas avec Oski et euh, Acronic. C'était son Acronic, le joueur portugais qui euh, qu les a formés, Oski et lui. Au début, ils avaient du mal à faire des Day 3 et ils sont montés en puissance au point de devenir super forts. Atos était le moins beau bon joueur de son équipe pendant longtemps et il est devenu de plus en plus fort, il est devenu euh, le meilleur hein, à la fin. Et il est allé euh, chez Kevin Corp. j'étais trop content, je dis ça y est, Atos c'est son moment là, il va jouer avec Vatira, cette équipe elle est parfaite, euh, c'est full win. Et euh, avec Rise en plus pour mettre le, le duo Rise-Vatira à nouveau, c'était incroyable cette équipe sur le papier. Et elle était là pour battre Vitality. Hein, euh... Voilà, bon, enfin bon, c'est pas fini, hein, mais j'avais besoin de. Voilà. Euh, Zen Vatirato, c'était ma dream team à hein, moi. Et au premier split, c'est ce qu'on a vu, hein. Euh... Mais je sais pas, là, il faut. Voilà. J'avais besoin de me refaire un petit. Euh... On finit la vidéo et on enchaîne. J'en avais besoin, là, j'en ai marre de le voir jouer petit bras, là. Ouais, le c'est bien, mais. allez moi ça. Et c'est les RLCS, Non, nous il pose juste derrière Atto, mais là, en ce moment Atto, ça va pas bien donc. Trop fort. Ce joueur est trop fort, voilà. Ça a l'air facile Rocket League quand tu le regardes jouer Ato, il est tellement bon. Ça me fait trop de peine de le voir comme ça, genre. Et ça c'était il y a pas longtemps hein, donc c'est vraiment que là voilà et bon et... encore une fois il traverse une mauvaise passe mais euh, j'avais besoin là. C'est pour ceux qui connaissent pas Ato tu vois. Là j'ai vu des gens ils disent oh, "Ato pas fort et tout là ça m'énervait là. Prochain qui dit ça c'est ban. Hein. C'est bon vous avez compris Oh C'est quoi ça Putain le musty pour remettre la balle sur le nez. Oui, ça va revenir, j'espère. Oh là là. Pancake. Ça c'est incroyable. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte de ça là. Vraiment, c'est absolument insane. Hein. Ouais, c'est un peu long la vidéo. Il met trop de clips. Allez. Brah! Allez, c'est une Pinch comme ça. Je l'ai fait bosser à Chronomia, c'est Link Pinch. Comment il change de trash dans les airs avec ses resets, c'est fou aussi. Hein. Hop là! Allez-vous! Bon, ceci étant fait. Ceci étant fait, on va pouvoir continuer là, mais il fallait, euh, il fallait un peu. Euh voilà, faut rappeler un peu qui sont ces joueurs. C'est quoi que vous m'avez montré là Ah oui, je crois que je l'ai vu ça. Oui, je l'ai déjà vu ce but. Ok, donc bref, voilà. C'était pour, euh, pour remettre un peu de. Jouissi derrière Atos, oui. Pour l'instant, oui. Après, ça peut-être pas durer. Voilà, si ne se reprend pas, non, Jouissi est devant, mais... Euh... Allez On regarde la suite. Tranquillou. On s'est fait une petite pause, désolé. Mais là, j'avais besoin... Je remets la petite Lofi. Et on va regarder la suite du BO, là, parce que... Je ici si je le laisse Cook encore un peu. Pour moi, il est dans le top 10 avec les alpha, les euh... les Rise, les, euh... les Monkey Moon. J'ai du mal à classer, en fait. Je prends vraiment que ceux qui sortent du lot. Mais tu vois, je peux pas dire si Alpha est meilleur ou moins. Monkey Moon, si tu vois, c est, c est... ça dépend des jours, en fait. Itachi, euh, Seiko, ils sont tous là-dedans, tu vois. Alors. Ça, c'est bizarre de voir ça. Hein. C'est ça. Hein. Toujours un petit peu en retard, Vatira, en ce moment. Non. Ouais, bon, bel touch. Itachi est dedans, hein, pour moi, hein. euh, pas sous côté du tout. Hein. Je dis dans les meilleurs joueurs du monde avec Alpha et tout. Je sais pas comment, pourquoi tu dis sous coté. <laughs> Drali pareil dans le solo là. Exo pareil, dans des styles différents après hein, mais. C'est des joueurs qui sont très différents, tu vois, mais j'ai du mal à... Comme ils sont justement différents dans des rôles différents, c'est dur de dire qui est devant, tu vois, qui est plus fort. Tu vois. Je préfère pas le faire parce que c'est pas... ça dépend des joueurs en fait. C'est la même classe de joueurs. Ok. On sur celui-là. Mais ça, je trouve ça raté, par exemple. Ça m'étonne de Vatira de pas faire mieux que ça. Il a, il a pas eu son reset là. Là, c'est un miss. Là. Bon, il a 10 de boost. Il a failli l'avoir. Ça arrive. C'est dur, mais bon, ça n'a jamais été simple. Hein. C'est bien joué ça. Il là-dessus. Oh, il se gêne, c'est dommage. Là, il peut marquer. Hein. Je pense qu'il peut marquer, mais c'est dangereux. Il y a Relating Wave. Il joue la sécurité. Il pourrait y aller, mais Rice le gêne un peu. Là, il y a le call du fake, mais ils sont se font plus avoir les équipes. Il n'y a personne qui va sur ce challenge en fait. Rice, il se balade. Atto il est au goal. Ah, J'aime pas cette défense. Hein. Ouais les fakes de casser ça marche moins qu'avant. Ouais. Là il va fake. Ouais. C'est pas passé. Et ouais. Ils ont l'habitude maintenant de contrer ça. Hein. Ça c'est vrai que pour le coup, euh, je pense que ça joue aussi pas mal dans le fait que euh, les équipes qui jouent classique on va dire se sont adaptées et euh, ils, 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 ils les voient venir beaucoup plus. Hein. Ça c'est vrai. Hein. Sur le backboard. Tous ces changes ratés. Hein. C'est vraiment pas son genre. Hein. Après, il est vraiment dur celui-là, mais il en a beaucoup, quoi. Par rapport à sa moyenne, tu vois. Il faudrait la stat. Il y compter. Parce que le coach compte. On veut la stat de change raté. Indépendamment du fait qu'ils sont durs. Oh, joli, il a une deux. Comment ça Ah, oh, il a voulu fake. Oh. Allez. Ouais non, raté, raté, c'est raté, c'est raté. Ça a l'air stylé mais c'est raté. Donc du coup c'est raté, un raté simple ou un raté complexe, c'est un raté quand même. Ouais le me connecte pas. Ouais. Et. et... waouh Bizarre Bizarre la strat. La petite passe là. Est-ce que c'est une passe ratée ou est-ce que c'est l'idée la... de la passe qui est mauvaise Peut-être un peu les deux. Regarde, il est à court de solution là en marche arrière, ça fonctionne. Mhm. Mmh. Celle-là, personne saute Wouah Ah, c'est passif de fou, ils vont s'en prendre une, hein apparemment pas du euh, coup ça va mais on attend et ensuite il se passe quoi Pas rien. J'arrive pas à avoir du boost, il y a un problème dans le Oh là là. Oh. OK, ça affecte tout le monde. Heureusement, ils auraient pu s'en prendre à l'un. Ça sort bien en vrai. Là, le fake évidemment, tout le monde le voit, double fake. Je comprends pas ça en fait. Double fake, qu'on en est là. Ça, c'est quoi J'arrive à comprendre. Non, la défense de Vita ne ressemble à rien puisque la défense de Vita n'existe pas. C'est un style. tir raté, on dire un catch raté. Hein. Non, je pense pas Coffee. il faut juste. Euh... Non, on est dans le troisième, je crois. Il a fake la double tape. Écrire une connerie en caps, c'est pire que de l'écrire sans caps. Non, il a voulu la contrôler. Mais il a raté ce contrôle. Vous avez boring? Ouais. Ouais, raté. <laughs> parce il y a des erreurs aussi, mais on va pas en parler. En fait, ils ont vraiment trop perdu de spontanéité mécanique et tout en voulant trop bien huiler leur stratégie. Je pense qu'ils sont trop dans l'excès, stratégiquement parlant. Et qu'ils devraient revenir à des choses plus simples. Parce que ça les bride trop mécaniquement. Ça se voit que là ils essayent de faire des trucs très bien call et tout, je trouve ils forcent un peu. Genre même, même mes teams à moi, où je les fais super chier sur les tactiques, je trouve ils forcent moi. même Chronomia ils forcent moins tactiquement genre. Bon, c'est bien d'avoir des phases de jeu mais il faut quand même garder un peu de spontanéité. Comment ça strat de merde oh, mais il est insupportable celui-là. Là, ils sont toujours avec leur kick off et leur machin là et on dirait ils s'amusent plus parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut quand même garder un peu de spontanéité et de fun tu vois et là euh, là on dirait c'est des machines euh, à c'est des machines quoi là c'est on fait ça là on fait ça c'est bien quand c'est un automatisme mais là euh, comme c'est comme c'est poussif bah ça rend le truc un peu euh... oui ça en fait les strats sont bonnes hein. c'est bien de le faire hein. franchement c'est bien mais c'est trop là là on veut moi je veux qu'il y en ait un qui dise vas-y fuck la passe je double reset tu vois vous voyez ce que je veux dire un peu Parce qu'ils savent le faire en plus, tu vois. Genre, euh, vous savez à quoi ça me fait penser Alors, c'est bizarre, mais on dirait une Team Bubble qui essaie de s'organiser. C'est un peu bâtard, mais. Genre. Euh... Tu sais, qui, qui, qui essaie de bien jouer ensemble comme font les pros, tu vois. Alors qu'on sait tous que les pros ne jouent pas bien ensemble. Ils sont juste plus forts à mal jouer ensemble. <laughs> mais c'est pas le sujet Mais euh, Je sais pas, ils sont... ils sont euh... TikTok sauce. Je sais pas, on dirait ils se cherchent tactiquement alors que. C'est en faisant ça que ça devient une habitude. Ouais, mais là... Euh... Là, c'est trop, là. Je suis d'accord, mais là, c'est les califs, tu vois. Moi, je dis toujours aux joueurs, alors après, voilà, je suis pas coach, hein, mais. Le jour J, vous oubliez tout ce que vous avez appris, tu vois. Parce qu'en fait, tu veux garder que, que. Tu veux garder que ce qui a été acquis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tu veux pas laisser, tu veux laisser le reste au placard, tu vois. Oui, je pense, ils vont regain, oui, je pense. Peut-être qu'il faudra peut-être un changement, je sais pas. Vous savez très bien ce que je veux moi. Vous ne sait ce que je veux. Mais si je le dis, je me fais engueuler en vrai. Ouais. Oh là là là, j'ai du mal, j'ai du mal à la voir jouer là. Avec sa marche arrière là, il est en marche arrière depuis... Ça va. Ah oh, le back c'est bon. Ouais, il va passer. Oh le bump. Ça passe pas, il a le reset. Ouais, il est obligé de l'utiliser pour recovery, ça l'a propulsé trop. Oui ça c'est raté là. Vous voyez c'est fou comme ce genre de truc, c'est trop con mais. Vous voyez que là ça c'est du shaky, tu si vois. Je dirais rien. Ouais, c'est bien essayé mais... On dort fort hein, quand même. Hein. C'est pas grand chose. Hein. Mmh, ouais. Oh oui! Ah, ça fait plaisir d'avoir ça. Même si c'est pas non plus exceptionnel. On retrouve un peu notre ato. Je fait des, des techniques un peu originales et un peu créatives là. Rise Gaming. Mais oh quand je dis que ça va, qu'ils qu sont stressés là. Je vais le faire ça. <laughs> ok, le bon c'est matin, mais quand même. Allez, ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression de répéter ça depuis le début de, 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 de ces analyses. ne s'est jamais fait bounce me Bounce me jette la première pierre. Ouais, belle speed là. Ouais. Il aurait dû cancel il y a longtemps quand il l'a vu rentrer dans son but là. Oh là là! Oh Relating, away. ouais. Tout bien. Ouais, c'est une game de loser top 16, quoi. Pour le coup. Oh là là. Et comment ils s'en sortent de ça Ils s'en sortent bien en vrai. Hein. Allez. toi la menace. Passe. Bon positionnement. Allez. Bon il reste deux games, ça va bientôt être l'heure d'aller faire mon coaching. Euh, du coup on va faire une petite pause. Euh. On va faire une petite pause pour aller faire une petite analyse de C2. Euh, quoi dire hmm. Bah ouais, hein, pas... on sent qu'ils sont shaky. Hein. J'avais plus de choses à dire sur le sur le dernier euh... dernier match, parce qu'on voyait des choses plus franchement. Là, ils ont juste peur, ils ont juste... Euh, je connais pas toutes ces manettes Bungie Foot, moi je suis sur la Trust Master. Ça casse les couilles ça, comment on fait fermer sa gueule à Blizzard Désolé pour les notifs, j'ai quitté l'appli, j'espère que ça va, ça va marcher. Ouais, je sais pas, il y a une C'est une horlogerie euh, bien huilée la Carmine Corp et là euh, bah, ça manque d'huile pour le coup là. Ça part un peu en couille. Du coup ils ont moins confiance en eux, ils ont. Ils ont du mal à se trouver. Ils ont du mal à. Je sais pas. Ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal. C'est euh... Je sens que les joueurs sont pas en confiance, ça c'est sûr. Je me demande trop bien pourquoi en fait, c'est ça qui me trigger un peu, c'est que. Est-ce qu'ils sont. Euh... Est-ce qu'ils sont très sensibles Parce qu'ils n'ont pas de raison spécialement d'être tiltés là. Non, n'importe quoi, Skylands. ce que vous me dites là, qu'est-ce qu'il a dit Vincent tout court là Je vois tout le monde réagir. Ça m'intéresse tout le monde, tout le monde trash talk. Je pense que cette doute et veut changer de team en plus. <laughs> Moi, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de dire des trucs. Mais je crois que tout le monde a sa, petite, euh, a, sa, a sa petite histoire dans sa tête aussi. Ah, bah moi, je suis persuadé que les supporters ont un impact considérable sur le mental des joueurs et que les fameux banter qui sont censés rendre l'e-sport mieux, c'est une catastrophe. Ça fait depuis le début que je dis ça et que je me fais insulter sur Twitter, mais ça y est. Enfin, j'ai grandi. Ça y est, j'ai compris. Maintenant, j'en ai définitivement plus rien à foutre. Ça a pris un peu de temps. J'ai fait l'énorme erreur de, de tenir ces discours en considération. Euh. Quelle erreur de ma part! Je pense que Zen va encore win les Worlds. C'est pas impossible, hein. Tu penses que les équipes vont beaucoup bouger l'année prochaine? Ça dépend? Moi je pense que là elle va changer de concept devenir un jeu de golf. Et ça existe déjà, Rocket League en golf. Comment il s'appelle ce jeu-là? Il y a un jeu comme ça. L'équipe qui gagnera les Worlds sera l'équipe qui sera le plus, le plus motivée le jour J. Turbo Racing, ouais. Bon, en tout cas, euh, pff, moi j'ai un peu la flemme ce week-end là. Je suis démotivé un peu. Je fais quoi Je vais, euh, vais, vais grind mon SSL au lieu de regarder les. <laughs> non, je rigole. Quand je joue, vous regardez pas mes streams, bord de bâtard Tu veux d'abord une structure top 16 euh, Je pense pas parce qu'il Il faut qu'il prouve. Oui, des hombrosgènes, un peu de détail ils vont changer de roster. Oui, Vita, je pense qu'ils vont changer, oui. Ouais, en fait, ne pas avoir la cassée, ça va changer la saveur du truc, quoi. C'est les Saoudiens. Hein. Possible. 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 Ouais, pas de cassé, pas de partie. Pour le coup, c'est vrai qu'ils cassent les couilles sur Twitter, mais ils mettent une belle ambiance dans les stades. Ce sont doute pas les mêmes d'ailleurs. Un Major sans cassé, ça donne moins envie. Ouais c'est ça ouais. Parce que c'est euh, les plus aimés mais aussi les plus détestés par tous les autres. <laughs> du coup il manque l'antagoniste il manque qu'il croit être. Attends, il va dire, ah, j'ai eu l'impression qu'il se retient. Une... Ouais c'est ça, je les trouve un peu coincés, hein, je suis d'accord. Hein. Ouais, euh, je sais pas ce qui se passe mais... Ouais, ouais, non, mais désolé, euh, j'ai des problèmes. de mon... mon micro a eu des. des... C'est déréglé, faut que je vois. Sais... Plus... Plus... Désolé, c'est mal réglé mon micro en ce moment-là, il faut que je m'en occupe. Euh... C'est avec qui que j'avais vu ça C'est avec Noreux Je sais pas si il est dans le chat, Noreu. Ouais, c'est ça. ouais Il y... Euh, y a eu une mise à jour et ça a... j'ai niqué tous les tous les trucs, donc il faut qu'on revoie. Merci beaucoup, Noreux, merci énormément. C'est marrant, quoi. Bah, c'est normal, il y a des hauts et des bas, tu vois. Après, j'ai du mal à me dire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. J'ai du mal à me dire que c'est le fait que Vita ait gagné qui a tilté euh, cassé. Je peux pas croire que ce soit vrai. Moi, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que Hato a de plus en plus de mal. Et Vatira, il a été incroyable sur le, le top 8. Hein. Le premier régional, il a super bien joué, Vatira. Hein. Il, a été, euh, il a été le top 2 que je pense qu'il est. Hein. Il a vraiment été incroyable là vraiment pour le coup euh... le premier jeune les a cassés oh. si c'est le cas c'est qu'ils sont trop sensibles hein. Après, c'est facile à dire moi j'ai même <laughs> <Je, je>, je... <laughs> dit-il en ayant pas envie de lancer de la solo queue bon j'avoue que ça fait un peu euh... <laughs> c'est vrai que c'est un peu bizarre que moi je dise ça tu vois mais euh... mais bon moi j'ai changé de carrière quoi. <laughs> ouais, Vatira il prend médiatiquement. Hein. Après l'histoire de Vatira médiatiquement, elle est elle est particulière. Hein. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Euh, moi je pense que Vatira il a il a il adore la Carmine Corp et euh, les supporters de Carmine Corp, en tout cas au moins les plus bruyants adorent euh, le banter et tout. Et il s'est mis là-dedans. Et moi je me souviens à l'époque je disais bah c'est cool. Il, leur donne, il donne à ses supporters euh, ce qu'ils veulent, mais il va y avoir un contre-coup, et j'ai l'impression qu'on est un peu dedans là. Et euh, moi, ce que je sais, alors je ne le connais pas personnellement, on va dire, c est, c est, les nouvelles des générations de joueurs pro, je les connais pas du tout personnellement, parce que j'ai un peu décroché de. de... J'ai pris du recul par rapport à la scène. J'ai quand même l'impression que c'est vraiment des gentils. Hein. Euh... Et. Et j'ai l'impression qu'il s'est mis une pression de fou et que ça devient dur à traîner comme boulet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Moi bon, c'est un sentiment là que je vous dis, hein. il n'y a aucun fondement. Euh... Je sais pas. Là il a fait son vatillum, et c'est bien parce que je pense qu'il est plus... il est plus honnête en étant comme ça, je le sens plus sincère, mais j'ai l'impression que c'est trop tard, hein. Ouais, il s'est laissé emporter par un petit truc. Et comme euh, tout prend des proportions de fou avec lui, parce que c'est l'égérie de Carmine Corp. Bah, ça doit peser lourd. Hein. Exactement, je suis assez d'accord. Euh, je connais pas bien le foot, mais ça me fait penser à Mbappé, qui avait plutôt l'air d'être un gentil gars. Mais euh, il a l'air d'avoir fait quand même pas mal de conneries. Et euh, maintenant, c'est le, le, le déchaînement au moindre truc, quoi. C'est en version foot, je dirais, c'est un peu ça, ouais. Ouah, wow, attends, tu rigoles, Liquid, c'est des top 4 avec un Hoski et un Acronique, hein. c'était pas des randoms non plus. Hein. Ouais, c'est ça, les tonnes sur Twitter, vraiment, il faut arrêter les joueurs pros de faire ça. Ça plaît beaucoup aux fans et tout, mais. En fait, ce que je trouve un peu dur, c'est que les fans, ils t'encouragent à faire des trucs dont eux ne, ne, ne subiront pas les conséquences, tu vois. Genre. Euh... Tu peux aller complètement faire des bonteurs avec ton compte, avec trois abonnés, euh, comme tu veux. C'est rigolo et tout, tu t'amuses bien. Et si tu perds, bah tu as juste à couper Twitter et tout le monde s'en fout, tu vois. On va t'oublier complètement, tu vois. Alors que les joueurs pros, eux, quand ils font ça... Euh... Oui, il y a plein de types de fans différents. Hein. Mais il faut, moi je serais, moi je pense que je leur couperais les réseaux sociaux moi, aux joueurs. Ouais, c'est facile à dire qu'à faire, ça fait vraiment boomer là. là. Je sens que je suis vieux là en disant ça. Je sais pas comment tu peux faire, euh... ou alors il faut essayer de lisser l'image des joueurs, tu vois. Je trouve que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Zen parce que moi j'avais une théorie, une théorie qui s'est pas révélée totalement vraie, mais qui s'est révélée vraie à un moment. C'est que Zen c'était vraiment le gars qui faisait pas de bruit et qui était humble et tout. Moi j'avais dit. Attendez, avant de juger, on verra quand il perd. <laughs> Et c'est vrai qu'il y a eu quelques glissades, notamment 1 V1. <laughs> Mais maintenant ça va, il est, il est pour le coup, c'est bien contrôlé, c'est mieux, c'est plus contrôlé chez Vitality. J'ai vu des gens sur Twitter dire que Vatira super souvent parce que ça l'atteint de voir ses anciens mates qu'il a dégagés réussir mieux sans lui. Sans doute que ce d'avoir en tête, à mon avis, ça a dû leur faire mal. Euh, parce que pour le coup, euh, Itachi, il a, il a chargé la mule en termes de banter, pour le coup. Et je comprends, en vrai. Euh, pour le coup, euh, alors là, vraiment, euh, il en a pris plein la gueule. Euh. Je comprends que, que, que ce soit sa revanche, quoi. C'est normal, en vrai. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que ça peut ça t'atteindre, peut tu vois. Ouais, ouais bon après c'est des c'est des c'est de la discussion de comptoir ce qu'on fait là on n'a pas de preuves, on n'a pas d'information euh... le son est trop bas ouais je suis désolé hein, je sais de j'ai un filtre pour monter le guerre, attendez c'est mieux là allô ouais en fait il faut vraiment que je parle Enfin, bref, mon micro est mal réglé. Oh, oh Zen, quelle structure il pour rejoindre Je sais pas, moi. J'en sais rien. Ouais, ouais c'est ça, c'est des jeunes. Tout peut être un drame, bien sûr. Ouais. <laughs> Question hors sujet. Tu vois mieux, Vatira chez Vita ou Zen chez cassé. Je m'en fous, moi. Euh, euh, moi encore une fois, les structures, euh, c'est ce que j'en pense. Hein. C'est bien, mais c'est pas, pas mon truc à moi. Moi ce qui m'intéresse, c'est les ballons. On sait que tu veux casser. Franchement. Peut-être. <laughs> On sait pas. Euh, non, non, le coaching, on y va là. Je suis en retard déjà. Ouais, c'est ça, le truc, c'est que Zen, euh, à mon avis, ça n'arrivera pas. Le coaching est un peu en retard, pardon. On y va. En plus, je suis pas à l'heure moi. Il est quelle heure chez vous Moi, il est, il est 39 chez moi. Mais j'ai 4 minutes de retard là. Je ne sais pas comment. On... Il est prêt là, notre coaché Ouais, il est là. Il est 43 chez vous bon, Ça va. normalement, c'est 15 minutes de retard. Donc, c'est bon. Normalement, il y a 15 minutes de retard réglementaire sur les coachings. Donc, on est dans les temps en fait. On est parfaitement dans les temps. Euh, on va pouvoir commencer. Je check juste euh, du coup. Ici, euh, C2, C3, pique GC1. On va regarder ça. C2C3, pique GC1. Ok. Je vérifie que j'ai bien tous les replays. Euh, si je les ai mis, je pense que je les ai pas mis. Si je les ai mis. Ils sont là. Ah Alors j'en ai un, j'en ai deux. Et ils, ils se suivent pas les en date, mais ça va le faire. Ok, c'est bon. Euh, on y va Allez, go C'est parti Appel Et salut à toi, comment ça va Ça va et toi Eh bah écoute, oh, quelle voix de crooner. salut <laughs> Allez, on va passer un bon moment, j'adore. <laughs> bon alors Alors comme ça, on était GC1, on n'est plus GC1 <laughs> oui. Tu t'es pris la célèbre démo de MMR en plein dans la gueule. Exactement. Ouais, je comprends, je comprends. C'est dur, c'est dur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il hein. euh, y a un bel embouteillage là en C2, C3, c'est un vrai régal. La fosse est loin. La fosse est loin. Et bon. <laughs> euh, alors, 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 déjà, quel âge as-tu 28 ans. 28 ans, tout n'est pas perdu. Euh, <laughs> euh, tout n'est pas perdu. Ton son est un peu fort. Je vais... Voilà. Euh, ouais, son son est fort. Je baisse. Je baisse. Je baisse. Dis un truc là. Allô. Allô. Oui. <laughs> je te parle. Dis un truc. Ah, <laughs> euh, très bien. Euh, voilà. Combien tu joues d'heures par jour et combien de jours par semaine? Tous les jours, euh, 3-4 heures par jour. 3-4 heures par jour, oui, c'est ce qu'il faut pour passer GC. Euh, actuellement, je pense. Euh, comment tu répartis ton temps de jeu euh, pff, Essentiellement de la 2v2 et un peu de free play. 2v2 et un peu de freeplay ah. Est-ce que tu apprends des mécaniques ou tu apprends tout en match J'essaye d'apprendre des mécaniques en free play et en training pack aussi, pas mal. Ok, donc c'est des trucs précis que tu essaies d'apprendre, pas tu fais ouais. n'importe quoi quoi Non. Ok, tu apprends speed flip ou pas speed flip euh, normalement, je le maîtrise à peu près. <laughs> oh, tain, si il est, est bien fait. C'est si pas, pas très convaincant. <rire> <rire> On va dire que t'es en train de cook quoi. Je suis en train de cook. Ouais. Ok. Ouais. Euh, très bien. Euh, oui, c'est ce qu'il faut faire. faut commencer à cook en C2 de hein, toute façon, ce speed flip, Donc c'est bien. Euh, là, actuellement, t'es quoi C3 euh, je... Non, je crois que je suis C2. Je dois être 1300 à euh, deux games du C3. Quoi. Ok, ouais. I ah, C2. Ok, très bien. Tu veux qu'on regarde les games dans quel ordre euh... Solo Q, d'abord. Alors moi, j'ai 1, 2 et 3. Bah, 1, 2, 3. Très bien. Euh... Donc tu fais que de la solo Q Pas de, pas de euh, 1v1 ouais. ni de 3v3, du coup. Euh... Pff, si, ça arrive de temps en temps. Ok, mais, mais pas, pas énorme. Non. Ok. Euh... Est-ce que tu as regardé des tutoriels particuliers sur ma chaîne ou des coaching live, des trucs comme ça Oh là, oui depuis 2020. Ok donc tu es tu es oui. tu es de l'école tu es de la Rasmel Academy. Oui. oui. Ok euh, impeccable donc sens de rotation tout ça ça te parle si je utilise ces termes là. Oui. oui. Ok très bien Eh ben écoute euh, on va pas traîner plus longtemps on va y aller hein. euh, okay, bon. Tu sais te mute complètement. Oui. Euh, tu peux dire un truc dans le chat que je repère ton pseudo c'est quoi ton pseudo Twitch. Mmh, pareil que Discord Flanagan. Yo. Impeccable, c'est pour voir la couleur et voir là aussi ton petit émote, c'est parfait Eh bah, ben, on est prêt, euh... on, peut, euh... on peut y aller, mute-toi complètement et n'hésite pas à beaucoup interviewer dans le chat ou même en vocal si tu as envie, ok Ok, ça marche. Allez, c'est parti J'attends que tu te mutes et on y va. Il fait tout bien, c'est parfait, on enchaîne. Je profite de ce début de coaching pour rappeler, mesdames et messieurs, évidemment que, euh, on ne juge pas un joueur en une seule game, ni en deux, ni en trois... Et que le rang est quelque chose d'extrêmement fluctuant. Il était grand champion 1 euh, il y a un an, et là maintenant il est C2, puisqu'il y a eu une démo de MMR. Donc par conséquent, euh, le niveau C2, ça n'existe pas, je rappelle. Hein. Il y a des C2 euh, actuellement qui sont très forts. Si tu prends le rang C2 il y a 3 ans, c'est ridicule à côté du niveau C2 actuel. Hein. Le ladder, il évolue énormément, et le niveau aussi. On juge quand Vous ne jugez pas, sinon c'est ban. Ok euh, en plus, on va avoir ce qu'on appelle l'effet viewer. L'effet viewer, c'est quoi euh... 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 L'effet viewer, c'est que comme vous n'êtes pas en train de jouer, vous faites que de prendre de l'info et de réfléchir. Du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions ou de voir des choses. Alors que quand on joue, eh ben, on n'est pas un viewer, on n'est pas un regardeur, on est un joueur. Du coup, en plus de regarder, il faut tenir la manette. Donc, forcément, on fait plus d'erreurs. On regarde moins bien, quoi. Évidemment. Comme dans les courses, hein, je rappelle, il y a un mec qui pilote et un mec qui fait la, la navigation. Hein. Il est à côté, il lui dit tourne à gauche, tourne à droite, dans 2 mètres, dans 50 mètres, il y a un virage de 30 degrés, voilà. Euh... C'est pas la même chose. C'est euh, l'effet viewer ou l'effet backseat, comme vous voulez. On y va? Alors, notre héros est là, on a des. Euh... Que, des euh... que des petites fenêtres. Et bah ben, c'est parfait, du coup. En espérant qu'il n'y ait pas de smurf. On y va! Allez, go! Mmh. Petit follow, pas beaucoup de boost. On veut se faire une passe à soi-même, temporiser? Ok, ou tu peux continuer en solo. C'est pas mal aussi. Euh, c'est pas ta seule option. Hein. Là, ce que tu peux te faire, c'est une passe à toi-même dans la direction du, du, du boost, tu vois. Là, si tu, tu pousses ta balle sur le mur là. Tu vois, tu peux la récupérer avec le boost. Tu vois, c'est pas mal aussi. Là, le problème, c'est que si le mec te challenge fort, là, là, tu vois, là, tu laisses un peu un open. Ça peut être dangereux cette situation. Mais bon, on va dire que tu as tout vu, que tu as évalué les risques et que du coup, c'est bien joué. Mais les autopasses, ça existe. Hein Faut pas hésiter à abuser. J'aime bien, t'as l'air d'avoir de bonnes mécas pour l'instant. Ça follow bien, ça a l'air fluide. Petit pad. On accélère, on va suivre et c'est très bien joué. Rien à dire. Oh là, 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 je vois au mouvement que ça a l'air d'être pas mal comme niveau. Ça a l'air vif, on va voir. Incroyable le C2. Hein. Mmh. Ok. Dommage, il t'a empêché de jouer. La recovery est bonne. Attends, mais. Ça me paraît. Ça me haut comme niveau pour du C2. Pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Ok. Un petit peu trop attentiste. Mmh. Je te trouve un peu à la... Encore une fois, je te trouve un peu à l'aveugle sur ce contrôle-là. C'est pas la première fois que tu nous fais un contrôle un peu comme ça. Tu, 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 vois, tu vois ce que je veux dire C'est le, le même contrôle un peu que t'as fait après le kick-off au tout début, là. Tu le vois ça tu, tu as toutes les infos à ta disposition pour contrôler cette balle comme ça, là. Tu sais où il est, le mec, là Tu vois, je, je, pense, je pense que t'es un peu au pif, là. Et là, tu te rends compte, ok, et voilà. Alors quand c'est comme ça, n'hésite pas à... à changer la trash du ballon. Par exemple, tu peux la pousser fort dans ton camp, tu vois, là-bas, ou sur le boost encore, tu vois. Ou tenter un changement de trash, tu vois. Là, tu... Juste tu contrôles. Moi, je changerais la trash de la balle au moins, tu vois. Je tenterai un truc, tu vois, un petit, un petit flip, tu vois, un petit... Parce que là, tu... Juste tu contrôles, quoi. Grosse couille, j'ai envie de dire. Mais attention! C'est un beau contrôle, by the way. Alors! Ok. Oh là, tu dois prendre un but là-dessus. Alors, c'est quoi le problème de ce challenge? C'est qu'il est quasiment perdant dans tous les cas, en fait. Là, je pense qu'il faut que tu apprennes à absorber la pression. Tu vois? T'es de côté. Là, tu dois, tu dois fake challenge, je pense. Hein. Là, t'es en train de commit. Tu... Tu vois, même si c'est pas, pas évident. C'est pas évident, évident. Mais ça, c'est un commit P2, tu vois. Tu vas le challenge en dernier défenseur. C'est ça un commit. Et tu le perds. Ou alors il aurait vraiment fallu calculer son coup pour pas que la balle puisse s'échapper, tu vois. Là, 100% tu dois prendre un but là. Donc euh, je pense qu'il faut faire challenge, hein, clairement. Tu commites là-dessus. Super la démo, extrêmement bien joué. Et là tu vas pouvoir avancer. Oh, t'as pas de chance. Ça n'a pas fait un truc bien. Ça, ça m'a l'air vraiment fort pour du C2, non Qu'est-ce qui se passe ici Ça c'est plus du C2 déjà. Ouais. Ok. Mmh. Oui il a pique GC1 mais même même en pique GC1 euh... mmh. On s'en fout du mate euh, En C2 vous devez gagner malgré votre mate On s'en bat les couilles de ce qu'il fait tu vois Si t'as besoin d'avoir un bon mate en C2 bah t'es perdu puisque tout le monde est nul en C2 y a pas de bon mate ça n'existe pas Les bons mates ils sont SSL Donc euh, laissez tomber moi je pense que je saute beaucoup trop tôt ici. Tu regardes un peu tu regardes de l'e-sport ou quoi Tu regardes des vidéos, des trucs comme ça euh... Ouais. Est-ce que tu t'es pas pris un peu pour Vatira là Je trouve ça un peu. Je trouve ça un peu... En fait, c'est pas mauvais mais tu peux aller plus doucement tu vois. Prendre un peu plus large. Tu vois la balle va retomber, sauter là pour prendre un contre, tu vois. Je te trouve un peu. Un peu arrogant sur ce jump, tu vois. Avec le petit spin et tout là. Ok. J'aime bien que tu prennes ton temps ici, tu l'as. Pas de terrible ce contrôle. Ah t'aurais pu continuer. En vrai, le, le fait d'aller bump comme ça, je vous déconseille de le faire avant le GC1. Euh, c'est trop aléatoire que ton mate soit derrière toi ou pas, tu vois. C'est dangereux de laisser la double à adversaire. Bah c'est pire de, de rater et de laisser l'open, tu vois. En fait, il faut s'adapter. C'est dangereux à un certain niveau. On sait de... Je te dis pas de laisser l'open, je te dis que t'as pas besoin de le cut aussi vite. Je vais, je vais expliquer à Gomirode parce qu'il m'énerve. double, la trajectoire de la balle, elle fait ça là, ok Ok Zen là, il part du toit parce qu'il a risé de ses links sans que tu le vois et il va la dunk comme ça là, tu vois Il va la frapper là. Tu vois Ok euh... À plus bas de niveau, ça va être là qu'il va frapper. À plus bas niveau, ça va être là. À plus bas niveau, ça va être là plus bas niveau ça va être là, plus bas niveau ça va être là et à euh, plus bas niveau euh, ça peut être là euh, à la retombée du ballon et c'est plus une double tap. Tu vois ce que je veux dire En fait, quand tu défends, tu dois défendre là où le tir probable va arriver, tu vois. Si tu sautes d'hyper loin en faisant quatre spins pour défendre ici là, bah c'est que tu estimes que ta Zen en face, tu vois. Tu comprends ça ou tu comprends pas ça donc si t'es pas capable de faire ce jump, bah ne le fais pas. Sinon tu rates. Et si tu rates, t'es une merde. Tu comprends ça ou pas Voilà. Amoureusement. Donc, on est en C2, on va attendre un peu, on va analyser. Et peut-être on va faire le jump pour défendre ici, tu vois. Voilà. Je continue. continue. Voilà, donc là, t'aurais peut-être pu continuer, je pense, en vrai. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Juste, j'ai bien dormi, je suis naturellement énervé. Quand je suis pas énervé, c'est que je suis sous anxio. Et que ça va pas. Tout va bien, je suis en pleine forme. Ok. Hmm. J'aime bien que tu prennes ton temps. J'aime bien, c'est très bien. Franchement, c'est propre. Hmm. Je, je, je te trouve quand même un petit peu. Tu vois là, comme ça, d'expérience de, de, de 8 ans de coaching, t'es un peu ce gars très fort, mais qui n'a pas passé la fameuse étape du bon joueur. On en parlera. Je, je pose ça là. Ce qu'on me demande souvent, c'est quoi un bon joueur dans Rocket League En vrai, la question est vaste, mais moi j'ai une définition. Et je pense qu'il te manque juste ça. Et tout le reste est parfait. Mais on en reparlera. C'est fini. Speed flip. Ok. Mmh. Mmh. Je, je je commence à voir où est le problème. Ouais. Ouais. Pour l'instant, t'as deux problèmes qui sont liés. Encore une fois, hein, un peu d'arrogance ici. Tu veux, tu veux psycho, là Encore une fois, un peu d'arrogance dans ce gameplay. Manque d'humilité, là, dans ton decision-making. J'aime bien que t'ailles prendre du boost, mais attention. Ouais. Ok, donc là il faut laisser ton mate passer en P2 derrière très très bien. Un peu de précipitation encore, mais bon, on va dire que ça arrive. Là t'aurais dû marquer en vrai, hein. Ça, du coup ça va être but contre toi. Là, là tu vois, on peut te reprocher ça. Je retrouve cette même, cette même, même arrogance que quand tu défends là. T'as pas besoin de sauter aussitôt, hein. T'as largement le temps d'aligner. Personne ne te challenge ici. Pourquoi tu veux la prendre aussi vite que ça T'avais le temps, je pense. Tu vois, tu peux prendre ton temps et hop, faire une petite balle lobée, par exemple. Donc là, il y a un petit peu de précipitation dans les actions. Un petit peu de. de flegme. Un petit peu de. Un petit peu de. de... En fait, ton. ta tentative ne, ne, ne correspond pas bien avec ton niveau. Après, ça fait progresser, mais. C'est bien de réussir quand même. T'en penses quoi T'es plutôt. C'est plutôt du stress. Et du manque de confiance en soi qui fait que tu sautes Ou c'est un peu de l'arrogance C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est euh... ce saut précipité là. Soit c'est de la panique, auquel cas tu n'es pas arrogant, mais euh... pas assez de mental. Mais j'ai l'impression que c'est plus, je sens, je sais pas dans ton gameplay, une espèce de surconfiance en soi. Dans ses mécaniques et tout. Je pense que c'est de l'arrogance. Oh il ouais, n'y a, pas... a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est plutôt une qualité pour les bons... Tous les bons joueurs ont ça. Hein. Ça se voit, ça se voit. Y'a pas de mal, c'est de l'ego, y'a y a pas de mal à avoir de l'ego. Il faut juste contrôler ça. Ouais. Ouais. J'aime bien parce que tu tu t'appliques, mais saute très tôt. Est-ce que quelqu'un te challenge ici là Ah, je pense pas que c'est de la romance ok. J'ai pas vu. Hmm. Il veut la double tape, ouais. Très mécanique. Il est pas que mécanique, hein. Tactiquement, c'est très propre aussi. Hein. Là, il est à la fois tactique et mécanique. Il y a donc un autre problème. Pourquoi est-ce que ce saut est discutable Qu'est-ce qui fait que ce, ce saut est discutable En fait, Kibron ne peut pas la challenge et Samolde non plus. Ce qui fait que tu sautes très tôt et tu vois, tu es tout seul dans les airs ici. Alors ok, c'est bien. T'as de l'espace au moins. Est-ce qu'un Smurf saute ici Qu'est-ce qui fait le Smurf ici Là, moi, je fais semblant de sauter, j'atterris, du coup, lui, il est en train de se barrer, j'attends qu'elle retombe, je la contrôle, je flic, je marque. En toute humilité. Mais ce que t'as fait, c'est pas mauvais. Mais, tu tires... Triple reset le smurf. Non, je parle d'un smurf qui n'est pas en train de flex. Je parle d'un smurf qui essaie de carry. Parce qu'il y a des mecs qui smurf pour flex. Mais là, je parle pas de celui-là. Je parle pas du smurf freestyler. Je parle du smurf qui essaierait de gagner la game proprement en prenant un minimum de risques. Parce qu'un smurf, aussi smurf et aussi fort qu'il soit, il sait qu'il y a un monde où il rate cette mécanique. Alors que s'il a la possibilité de la contrôler, il sait qu'il ratera jamais. Un joueur compétitif ici essaiera de contrôler. S'il ne peut pas, il sautera, mais il attendra le dernier moment. En fait, ce que je te reproche ici, c'est de tirer alors qu'il y a un gardien. Quand est-ce qu'on veut aller vite sur la balle en décollant avec une aérienne Bah, quand un adversaire décolle aussi. Là, tu élimines personne avec cette aérienne. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis à Soria. On y est, on parle de ça justement. Donc là, en fait, tu tentes une mécanique. Qui va jouer soit sur le backboard, soit sur le tir direct, alors qu'il y a un mec qui défend le backboard. Donc je dirais que aussi impressionnant que soit ta mécanique, parce que là je tiens quand même à saluer la technique qui est très bonne. Euh, c'est pas parfait, mais ton décollage ici est excellent, ta touch ici est très très bonne. D'un point de vue technique, ça reste vraiment très très propre. Mais je trouve pas ça tactiquement très pertinent. Sans être mauvais. Moi là, ce que je vois, ce que je vois, c'est un très bon joueur qui va appliquer des mesures et contre-mesures de manière automatique. Est-ce que, Est que ça te parle si je dis ça comme ça On va continuer parce que je pense qu'on va creuser ça. C'est-à-dire que tu as l'air d'avoir bien compris le jeu, mais tu vas toujours appliquer... Voilà. Là, pour le coup, c'était sans doute ce qu'il fallait faire, même s'il aurait pu y avoir mieux. En fait, on va tout de suite en parler parce que tu es encore dedans là. donc. Euh... En gros, pour moi, tu bascules dans les bons joueurs dans Rocket League, non pas quand tu es GC1. Tu peux basculer dans les bons joueurs en étant C1. Hein pour moi, un vrai joueur de Rocket League, c'est quand sa mécanique est au service de sa tactique. Un bon joueur de Rocket League, il observe le positionnement de ses adversaires, il observe le positionnement de ses mates, il évalue les boosts de tout le monde et il va appliquer une mécanique qui correspond à la situation quel que soit l'état du ballon. Énormément de joueurs de Rocket League ils sont pas du tout comme ça et ils vont tout le temps appliquer la mécanique qui correspond au setup. Tout le monde le dit, même les noobs quand on regarde les RLCS le plus dur dans Rocket League, c'est le setup. Le setup, c'est positionner la balle de manière à pouvoir enchaîner sur une mécanique et réussir la mécanique derrière. Pourquoi est-ce qu'on réussit toujours ce qu'on fait en free play Parce qu'on ne saute que sur les balles qui ont le bon setup. On n'est pas gêné dans son setup. Trading Pack, c'est pareil. Tous les setups sont parfaits. Ce côté setup disparaît. Là, moi, je te vois partir en air dribble ici, tout simplement parce que. Cette balle est parfaite pour air dribble. Tu vois ce que je veux dire Les fameuses first touch, bien sûr. Je suis presque sûr que si la balle était tombée un peu plus loin, tu l'aurais contrôlée. Tu vois Est-ce que c'est pas la balle qui décide de ce que tu fais là C'est un peu le sentiment que j'ai. Tu fais ce que la tactique, ce que le manuel dit, en fonction de ce que le ballon va faire. Tu vois Et c'est pour ça que là, si on regarde comme ça vite fait, on va se dire mais ce joueur est incroyable. Il a de trop bonnes méchas, il rotaille très bien, comment ça se fait qu'il gagne pas Bah là, tu as du mal à gagner pour moi parce que aussi incroyable que sont tes mécas, aussi parfaites que soient tes rotations, si elles ne correspondent pas à la situation, eh ben elles auront un effet vachement limité par rapport à ce qu'elles pourraient avoir. Du coup, ça reste en apparence excellent. En pratique, ça a peu d'efficacité. On va, on va continuer à creuser. Parce que là, au niveau rotation, au niveau mécanique, pour moi, il y a vraiment tout qui va. Ok, le fake challenge, j'aime bien. Là, tu aurais pu monter sur le mur ici. Ça aurait été plutôt adapté pour le coup. Tu vois Là, t'as quelqu'un derrière toi qui te chase. T'as pas de joueur qui peut te pré-jump. Sur le mur, ici. Il faut que tu pousses ta balle et que tu partes en setup. D'autant que ton mate n'a pas de boost. Là, il faut que tu accélères. C'est le moment ou jamais de setup. Ou alors, tu contrôles brutalement la balle et tu fonces dans l'axe. Option numéro 1. Option numéro 2 pour passer lui. Mais là, il faut un très bon contrôle de balle. Ok mais vu que la vitesse du ballon est assez élevée, là il faut que tu pousses la balle ici pour t'auto-setup. Que tu ailles en supersonique récupérer ce boost et que tu partes en solo play ici. Ce qui laissera largement à ton mec le temps de prendre un boost et de venir ou de te backup derrière tranquillement, tu vois. Exclamation coaching si vous voulez des informations. Là c'est maintenant qu'il faut aller tenter un move mécanique, tu vois. Euh, les les coaching of life sont désactivés pour l'instant, faut que je. On va que je mette ça à jour. Donc là tu vois t'aurais complètement dû partir sur le mur. C'est criminel de pas être parti sur le mur là. Alors tu vas essayer là, mais au final, tu vois, encore une fois, t'as un peu changé d'avis, t'as pas pris la bonne décision, et tu te retrouves à devoir aller jouer une double tap alors que le backboard est défendu. Quasiment. Donc encore une fois, t'as pas choisi la bonne méca par rapport à la situation. T'es open, là. Tu sautes trop tôt, encore. T'as open net. Et d'un coup, t'as voulu faire un truc un peu technique. Et là, tu donnes le but. C'est terrible. Tu vois que c'est open ou pas, là Donc là, encore une fois... Il manque de la, de la, de la lucidité tactique, en fait. Pourquoi tu attends pas un tout petit peu Tu passes à droite, là, sans sauter. Soit tu contrôles la balle, soit tu frappes, en fait. Tu sautes direct sur ta balle. Là, t'étais parti pour faire ta méca, tu vois c'est-à-dire qu'on sent que t'as, as une bonne vision tactique au global, mais ton choix mécanique est vraiment désastreux systématiquement. Et attention, elles sont bien tes mécaniques, mais elles ne correspondent pas à la situation. Là, la bonne mécanique, c'est pas euh, fake aérienne, into wave dash, touche contrôle, into flick Non, là, la bonne mécanique, c'est j'attends un peu, je power shot. Tu comprends Faille tirer, ouais, faille. Mais tu t'es précipité sur cette balle encore. Ah, j'ai le bug de la roue. Big up à ce bug qui fête bientôt ses 10 ans. La technique, c'est d'appuyer sur tous les boutons très vite. Pour essayer de se... Je suis coincé, hein, le coaching est, est bloqué pour l'instant. On va bientôt fêter les 10 ans de ce bug. Et on pense très fort à Psaonix. Ah ouais, là, c'est pire qu'avant, j'ai l'impression. Je suis coincé de, dans le replay, je peux pas bouger là. Ah. Et... Ils ont amélioré le bug, je pense. Voilà, voilà. Ok, donc là tu vas te manquer et tu vas encore choisir un truc un peu compliqué, tu vois. Voilà. Là, tu peux aller sur le mur, hein, je pense. Hein. Contrôler aussi, ça marche. En vrai, si t'es plus à l'aise en contrôle de balle in into flics, je comprends. Là, moi, je pense qu'il faut aller sur le mur ici. Hein. Pourquoi sur le mur, c'est mieux ici Là, tu pousses la balle sur le mur, hop, et tu pars en setup, un petit air dribble. Je pense que c'est mieux parce que tu laisses plus de temps à ton mate pour se repositionner derrière, tu vois. Bon, t'avais quand même un beau duel ici, en vrai. Mais, Mais why not Oui, c'est vrai qu'il y a un plugin Bacchus Mod, je sais pas lequel c'est. Si quelqu'un là peut me le dire. Je, je l'ai plus ce plugin. Tu vois, là encore une fois, on est dans le, on est dans le très compliqué. T'es très freestyly quand même. Hein. Avec ton tonneau là. Il y a des vannes qui me viennent là. Hein. Est-ce que tu ferais pas partie de ces C2 que Si on branchait sur un putain de dynamo, réglerait le problème de l'énergie dans le monde Est-ce que t'es ce C2 là Vas-y, tente ta chance, Zone Safe. Hein. Il a toujours un temps d'avance. Mais comment on pouvait dire un truc aussi. Enfin, excuse-moi, plus de nuages. Nos offenses, ne no le prends pas personnellement, mais ce que tu dis est terriblement débile. Tu es en train de me dire qu'il a un temps d'avance, mais que du coup, ça ne marche pas. Ben, si ça marche pas, c'est qu'il a un temps de retard. Tu vois, en fait, avec cette phrase, tu montres que tu n'as rien compris au jeu. Il faut pas être rapide, nécessairement. Il faut être au bon moment. Pour battre l'adversaire. Vous n'arrivez pas à comprendre Rocket League. C'est une catastrophe, hein. Genre, euh, ça montre à quel point vous êtes perdu. Genre. Euh, là, il a l'air d'avoir de l'avance, là Ça, pour toi, ça c'est. Euh, il a de l'avance là. Là, on est dans le futur, là. C'est n'importe quoi. L'avance, c'est pas ça, en fait. Il est en avance là. Oui, il a essayé de créer wow, C'est peut-être une, une explication. C'est vrai, beau Beaubuseau. T'inquiète pas, que je, je manque pas de travail. Hein. Il faut jouer correctement, en fait. Si les mecs sont nuls, joue contre, comme contre des nuls. En fait, les, les joueurs qui pensent ça, vous avez des œillères et vous comprenez pas qu'il faut regarder ce que font les adversaires pour euh, faire des bons trucs, tu vois. Genre là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire après ce catch manqué Parce que là, t'essaies de catch la balle dans les airs, visiblement. Ok, admettons. Là, c'est raté, là. Donc là, je ne sais pas si effectivement tu es en avance dans ta tête, mais je pense pas. Je pense que là, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'il faut que tu utilises 20 boosts pour atterrir là. Tu vas bah où là Donc ça, c'est de, de la clownerie. Hein. C'est pas du tout bien joué, c'est pas du tout impressionnant, c'est mauvais. Ta première touch était ratée, tu ne pouvais pas continuer ta méca, il fallait abandonner et te repositionner. Quand on rate, on rotate. Donc là, ton positionnement est bon comme d'habitude, un peu près peut-être, attention, on va pas bien défendre ton backpost, mais ça va, c'est maîtrisé. Là, on va pas se jeter, c'est bien joué, évite la démo et tu vas go. Tu prends ce but, mais pour moi, t'as pas fait beaucoup d'erreurs, ça reste bien joué de ta part. Euh, ça arrive, mais pour le coup, t'as pas fait d'erreurs. En gros, je suis GC2 et mes mates ne savent clairement pas jouer comme il faut que je joue en fonction de son niveau de jeu. Et je galère à avancer. Non, non, ça n'a pas de sens tout ce que tu dis. C'est pas comme ça que ça marche. Toi aussi, t'es es, es de leur niveau. Leur niveau et ton niveau, c'est le même. Si t'étais meilleur, tu montrais. Que tu ne sois pas capable de t'adapter, c'est peut-être ça ton problème. C'est pas une recette de cuisine en fait. À... Ok. Vas-y, démute-toi parce qu'il faut qu'on parle là. Attends, je vais aller sur le Flanagan 2. Oui, ça, vous pouvez perdre une game à cause d'un mate, mais pas, pas être stuck. Allô Allô Alors, qu'est-ce que t'en penses euh... ouais, Je sais que cette game-là, je la perdais tout seul. C'est pour ça, justement, que je l'avais envoyée. En fait, je pense que tu t'essayes de jouer à un niveau qui est au-dessus de tes capacités. Ouais, je crois aussi, ouais. Donc, du coup... Euh, t'es à deux doigts d'être incroyable, mais ça foire à chaque fois. Regarde tes lectures backboard, elles étaient pas loin à chaque fois, mais elles sont ratées. Donc, aussi impressionnant panty. que soit ta tentative, en fait, le fait de tenter un truc difficile en ranked n'est pas une excuse pour rater. Surtout que j'avais le temps. C'est ça. Donc, euh, c'est pas parce que c'est. Tu vois, il y a des gens, ils sont un peu en mode, ok, il a raté son double reset, il l'a mis sur la crossbar, mais il a quand même réussi son double reset. Ça, c'est une réflexion d'enfant freestyler. Probablement platine. Genre, je m'en tape, moi, que tu fasses un power shot ou un triple reset musty. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, il y ait but. Tu vois ce que je veux dire oui, je, vois, je vois. Donc, que tu rates en étant à deux doigts de faire une lecture de fou ou que tu rates en faisant rien du tout en t'évanouissant, ça revient strictement au même. Tu vois Pour gagner, il ne faut pas rater. Donc, si ce que tu tentes n'est pas régu, eh bah, ben, ne le tente pas ou tente autre chose de plus simple. Tu vois ça marche. Donc là, pour moi, tu, tu sautes trop tôt sur tes lectures backboard. Tu pars dans des mécaniques, là. T'as voulu catch la balle dans les airs et, et tu voulais faire quoi ensuite Reset euh, Je sais pas, mais ouais, je sais que j'ai essayé de la catcher, et... ça a raté. Bah ouais. Alors en vrai, ils sont... On sent que t'as de bonnes mécaniques. Attention, hein. On sent clairement que t'as des mécaniques de très très avancées pour ton level. Hein. Mais tu vois, c'est pas suffisamment bon. Ouais, pas du coup, du coup, tu vois, on dirait un mauvais Smurf qui s'entraîne, tu vois. Parce que là, tu serais un Smurf qui essaie des nouvelles mécaniques qui bossent en free play. Je dirais, t'es un con, mais au moins c'est cohérent, tu vois. Un type qui pourrait gagner la game facilement, là, il va faire exprès de faire des trucs complexes pour s'entraîner. Bah toi, c'est ce que tu fais, mais c'est pas... Il faut que tu sois capable de la win avant, tu vois. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça Parce que le Big Play Triple Reset Musty n'est pas toujours la bonne option. Ça, c'est la bonne option pour battre des super défenseurs. Qui vont être capables d'arrêter tout le reste. Tu dois être capable d'appliquer des mécaniques simples qui battent des gens du niveau d'en face. Si tu joues contre un silver, tu vas pas t'amuser à flipper reset Tu vas pousser la balle dans le but et tu vas tousser euh, quand il va arriver pas loin de la balle et il devrait paniquer il va se prendre le mur. Tu vois ce que je veux dire oui, je vois. Genre tu, tu cries un peu dans le vocal au moment où il doit toucher la balle et hop, il kebab et c'est but. Tu vois. Il faut toujours appliquer la mesure qui correspond à la contre-mesure, tu vois mmh. Ouais, des, des et là, horrible, pas le moment, quoi. et toi, tu, 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 tu essayes des trucs très compliqués mécaniquement, alors qu'il n'y a pas besoin, du coup tu rates, et du coup c'est dommage parce que tu n'es même pas ce joueur très mécanique qui comprend rien à la rota, c'est pas vrai. On sent que tes rotations aussi sont au point. Ton problème, okay. c'est que tu joues pas à ton... Tu joues pas à un niveau qui correspond à tes capacités. Et plus je rate, plus ça me fait tilt l'heure du coup. Et plus tu rates. Aurait... Quand on regarde cette game en détail, t'as pas réussi grand chose finalement. Oui. C'est vrai ça. Les deux lectures backboard, aussi impressionnantes que soit ton décollage, sont ratées. T'as double tap là où tu fais un très belle aérienne dans l'axe là, t'as raté. Ton catch in tout, t'as continué, t'as raté. Ton flic, après le kick-off, il est allé sur la crossbar. Ton problème, c'est que tu rates. Tu rates des choses compliquées. n'es pas loin d'arriver à faire des choses de haut niveau. Mais en pratique, ça foire. Si tu revoyais très légèrement à la baisse tes ambitions mécaniques, par exemple, au lieu de mettre un gros 45 degrés en lucarne, tu aurais peut-être pu faire un bon vieux petit double saut bien placé. Histoire de lever la balle au moment où le mec arrive. Ça t'apprendrait à bien gérer les timings, à bien gérer les distances. C'est pas si facile que ça à faire. Mais c'est plus facile quand même que ce que tu as voulu essayer bah t'aurais peut-être marqué et t'aurais gagné la game. Okay, okay. Peut-être que pousser la balle sur le mur pour essayer un air dribble c'est mieux pour l'instant que de tenter un catch dans les airs une tourisette double tap. Peut-être. En je tout cas, je, je sais pas, euh, je sais pas exactement ton état d'esprit, mais il faut que tu arrêtes de tolérer les erreurs mécaniques. Ok, ok. Et il faut pas hiérarchiser les mécaniques. Tu vois Un mec qui réussit tous ses tirs et qui sait même pas aérienne, il est plus fort que toi, là. Ça peut faire mal à l'ego, mais je fais exprès. Tu vois Ouais, ouais, je vois, je vois. Là, mécaniquement, ta game, c'est niveau silver. J'exagère je, oui, je, je le trait, hein, Mais ouais, t'as tout raté, en fait. T'as tout raté. Il Y a rien qui a été vraiment, à part un tir. C'était pas loin, c'est vrai donc il y a du travail qui a été effectué, mais c'est pas assez régulier. À la fin, il faut que ça aille dans le but. J'aurais un avis complètement différent si tu, par exemple, c'est quoi l'opposé de toi Pour que tu comprennes bien. C'est quoi l'opposé de toi L'opposé de toi, c'est un type qui fait des petits tirs tout le temps cadrés et l'adversaire arrive toujours à attraper la balle. Là, lui, je lui tiendrais un discours opposé à celui que je te tiens. Je dirais Gars, t'es à un niveau où les petits tirs comme ça cadrés, ça marche plus. Il faut que tu développes une mécanique un peu plus compliquée mais qui sera plus dure à stopper. Tu vois? C'est ça le ton opposé, c'est ça. Ouais. Toi, il faut que tu fasses des mécaniques moins complexes, mais plus On adaptées, et plus simples à réaliser, ou en tout cas suffisamment simples pour que tu y arrives et que ça débouche sur un tir. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc c'est pas ta, ton niveau mécanique global qui, je pense, encore une fois, est très élevé hein, par rapport aux C2 ton car-control est très élevé pour du C2, t'as plein... Mais, comme tu essayes des trucs trop durs pour toi, tu rates. Comment je pourrais expliquer ça différemment Il y a beaucoup de blabla, mais je pense que comme tes rotas et tes techniques sont bonnes, il faut qu'on passe par la discussion sur un coaching comme ça. Imagine, tu vois, par exemple, moi là, je bosse un peu le reset et le double reset, ok ouais. J'y arrive assez bien maintenant, je libre, et je peux y arriver, en, euh, le, le reset simple, je peux très bien y arriver en game, ok Mmh. imagine dans toutes mes games j'essaie de triple reset ça va pas marcher oui. bah je vais sans doute arriver à connecter de temps en temps mais jamais je marquerai en fait ce qu'il faut c'est que en jeu libre je m'entraîne à faire mon triple reset mais en match je fasse des resets simples ou éventuellement grand maximum des doubles tu vois en fait il faut toujours bosser plus compliqué que ce qu'on est capable de faire à l'entraînement mais en match il faut réussir donc, revoir à la baisse sa tentative et essayer d'être juste d'arriver à déboucher sur un tir. Il faut faire la, Ce qu'il faut que tu fasses, c'est la mécanique la plus dure à défendre possible, mais qui va connecter sur un tir. Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est peut-être plus réfléchir aussi à la situation, tu vois. Ouais, des fois je prends pas assez d'infos. Alors, il y en a qui dit quelque chose d'intéressant, il peut quand même s'améliorer en jouant comme ça. Alors, c'est vrai. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne dedans le fait de faire une mécanique trop compliquée pour le hello, les défenseurs et ton propre niveau individuel. C'est que déjà, tu ne développes pas spécialement ta lucidité sur le terrain. Et au-delà de ça, tu dois être capable de faire des mécaniques plus simples avec efficacité. En fait, c'est bien de savoir de faire des trucs très compliqués et très durs à arrêter. Mais il faut aussi savoir faire des trucs plus simples qui fonctionnent à coup sûr. C'est pas. Moxie en 1v1, il marque plein de tirs en open. Hein. Et pourtant, il sait triple reset. Mais c'est juste que quand il faut marquer l'open, il faut savoir le faire. Et il faut le mettre. Et en même c'est pas si facile d'ailleurs, je peux vous le dire. En fait, il faut savoir faire les deux. Et là, moi, je crois que tu ne sais pas faire les trucs simples avec suffisamment d'efficacité. En tout cas, tu ne sais pas suffisamment bien les faire pour passer GC. D'accord, Ça rime. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois, je vois. Allez, game 2. <laughs> Je Putain comment ça Ça a commencé sans nous le match là On n'a pas commencé la game 2 là. Non Je suis devenu fou. Bon. Allez go mm -hmm. J'ai une question à te poser avant de continuer là. Euh, tu peux te démuter du tu C sais mm -hmm. Est-ce que tu es oui. outré d'être en C2 et que tu penses que tu devrais être plus haut et que c'est un scandale de jouer avec des noobs pareils toute la journée Oui, euh, ouais, non, des fois ça me frustre ou des quelques games. On va peut-être travailler là-dessus. Parce que ça, ça peut te donner envie de faire des trucs trop compliqués. De sentiment quoi, de supériorité. Hein Ça me fait tilt des fois, ouais. ouais. Donc, ça, c'est bien d'avoir de l'ego pour se tirer vers le haut, mais si ça t'amène à faire des trucs trop compliqués, à flex en game, tu peux être tenté de vouloir montrer ta supériorité mécanique et ça ne te fait pas prendre de bonnes décisions. Tu vois. Ouais, et puis ça me fait perdre la game. Et ça te fait tilter en plus, donc si tu tilté, tu joues moins bien. Donc, je sais que ça peut être frustrant. Je pense que tu es victime de la dévaluation de la MMR. Hein. Beaucoup de GC1 hein, sont dans ton cas. Euh, des anciens GC1 qui n'arrivent plus à passer GC euh, à cause de, 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 de la décision de, de recalibrage du jadeur. Hein. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est que ce que tu affrontes là en C2, c'est les mêmes que ce que tu affrontais en GC1 avant. Okay. C'est les mêmes personnes. Il se, tout le monde est dans le même cas, en fait. c'est pas que toi qui a été mis plus bas. C'est tout le monde qui a baissé. Alors, c'est en train de se remettre comme c'était avant. Mais. Euh... Là, t'es es ok, t'es en C3, mais tu joues les mecs que tu jouais avant en GC1. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes adversaires, ils sont comme toi. Et eux, ils se disent peut-être la même chose dans les games. Avant, j'étais GC, tu vois ce que je veux dire Donc, ne tombez euh, pas bah, dans c ce pas. piège. C'est les, les mêmes personnes, vous êtes les mêmes joueurs, vous n'êtes pas moins fort qu'avant parce que vous êtes C2. C'est juste que le C2 est le niveau GC1 d'avant. Ok Donc, ça, ça peut t'aider okay. à relativiser. Okay, okay. Voilà. Allez, on enchaîne. C'est ça Kelox. il ne sait pas les privilégier. Il sait peut-être les faire, mais il va tenter quelque chose de trop dur et du coup bah, ça ne va pas marcher. Parce que là les adversaires, je suis désolé, ils sont pas mauvais. Hein. Ok, donc là tu un petit peu là. Tellement que tu vas avoir du mal à avoir la balle. Là c'est un peu bolché ici, et là tu sautes un petit peu tôt. Ok, on les pads, on va se mettre derrière le mate, là tu peux prendre le boost et aller jouer ton adversaire. Tu prends ton temps c'est excellent, ça c'est excellent. Ça c'est excellent, mais tu t'es fait contrer. Dommage, donc tu vois. Impeccable, on va rotate. Ici on est bien. Là il y va pas donc tu y vas. Tu y vas prudemment quand même. Voilà, c'est bien. Ok, là t'as fake challenge. Donc fake challenge en P1. Hein. C'est bien de préparer à sauter, mais ton mate va y aller normalement. Pour l'instant, pas d'erreur, c'est vraiment très bien comme gameplay là. Hein. Là on va aller battre un premier joueur. Tu l'as rendu un peu la balle quand même là. T'aurais pu faire une meilleure touch. Tu vas prendre le boost dommage. T'aurais dû te barrer là. Un petit, tu forces un petit peu trop des fois je trouve. C'est bien que tu prennes ton temps, mais quand c'est niqué, c'est niqué. Donc là tu vas aller contrer ton adversaire. Attention à ton mate évidemment. Tu as vu. Il fait un peu de la merde là. Mais... Ouais, il s'est fait fake. Ah c'est dur. Ah dur. Il a bien joué hein, ton adversaire là. Hein. Ouais. Il, il panique pas mal là le chalakaka le, le là. Hein. Ah ouais, dur. Je trouve que tu te fais un peu emmener par le jeu là en shadow sur tout le monde là la recovery est pas ouf là tu lui laisses mais ça le fake un petit peu j'ai l'impression et oui c'est que ça ball chase un peu du coup euh... il a l'impression que tu vas y aller là ouais. du coup il panique après c'est un fait de jeu attention à bien avoir tes intentions qui sont claires pour ton mate Ah, il a pris la foudre. En face, ça joue, hein. Trop tôt, tu vois. Encore une fois, c'est fou. Tu les rates toutes, hein, ces balles, hein. T'en as pas touché une seule depuis qu'on regarde. Tu tu tu, tu... 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 précipites, tu joues comme si, en face, il y avait des des, des... des... mecs ultra rapides. Tu joues en privé de game contre des, des... très bons joueurs ou pas C'est bizarre de paniquer comme ça, comme si... As... En face, t'as vu, hein. Je sais pas si, euh... Non. Parce que je sais pas, je sais pas, j'sais pas, j'sais pas euh, ça joue là. Hein. Lui, c'est probablement un smurf. Hein, avec sa... c'est un smurf qui a juste pris une fenêtre lui. Hein. Je pense. À vérifier, mais il a quand même de bonnes méca. Alors là, c'est incroyable. Vous avez pris tous les deux le big boost là. C'est fou. Bon bah là, il faut jouer le jeu. Hein. Je sais pas quoi dire. Hein. Là, vraiment, cette prise de boost est absurde. Je pense que je vais même pas commenter ça, je vais juste me. On va passer à la suite là parce que vous avez Brain Fart là, c'est vraiment. Vous avez tous les deux pris le boost en attaque là. Vous êtes les deux mêmes en fait. <laughs> vous avez le même cerveau en tout cas. Ok. Oh, T'as un bon car control, ça ça bouge pas. Ok, l'outspeed j'aime bien. Les infos. Là, on va prendre un petit peu de boost. Oh là là, il, est, il est pas terrible ce mage, j'avoue. Et là, je pense que t'as des smurfs. Hein. T'as un smurf en face au moins hein. Au moins un. Indio, non. Tu fais challenge là Ah ouais oh, C'est un peu. Euh... C'est un peu agressif comme gameplay ça. Et du coup, tu bolches chase là. Attention, attention. Tu reviens sur la balle après avoir raté là. Hein. C'est du bullshit, chasing. Hein. Faut pas. Hein. Là, 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 la menace, c'est qui maintenant là Là, tu t'es fait dribbler. Et tu t'es fait outplay. Hein. Parce que t'as voulu hard change alors qu'il fallait fake change. Bon, il t'a démoli. Du coup, t'as le sum et tu reviens sur lui, c'est ça De, de mental un peu là la menace c'est lui là parce que lui il va aller euh... t'es plus attiré par la bouse, ok là il va aller le jouer le Nexus tu vois par contre si jamais il y a une passe il faut que tu puisses démo lui là donc là il y a une énorme erreur de, de, de sens de rotation plus ball chase tu vois là lui il va aller là là et lui il va aller là là Lui il va là. Tu vois ça Donc là, euh, s'il y a une passe là, ça va faire ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais C'est non Là, tu vas au mid, tu retais le côté opposé, tu essaies de démos gars. Et tu te prépares à jouer, donc soit à suivre la balle ici, soit à repartir là avec le ballon. C'est bon ça, Flanagan Il faut que Shalaka bump. Ouais, la passe, pourquoi pas? C'est bien joué en vrai. Dommage de rater ce tir là. T'as la responsabilité là, de, de faire la frappe là. Ok, y a rien donc je dis rien. Hein. Ok, c'est propre. Mmh. Ah, il a fait un contrôle chelou. Prends lui son boost. Ouais. C'est bien. Allez, un bien. Ouais. Ah, oh, ça coûte cher en boost ces moves là. Tu te retrouves à zéro là. Ouais le bump. Maladroit, je, je, je commande pas parce que tout me paraît... Ok. Vous annulez bien, là c'est à toi d'y aller, bien jouer, la patience, c'est pas mal. Là tu peux go, essayer de l'outspeed, vise le joueur si tu peux pas avoir la balle. Ouais. C'est propre comme game en vrai, hein, globalement. Euh. Ok, là tu vas laisser à ton pote... Le mid boost. Allez, turn, et là on va tenter de bien prendre son temps pour faire une bonne méca. Ah elle est pas facile dans la gouttière. Gouttière spire, allez go, faut y aller là. Ah, tu lui as laissé trop d'espace là, n'hésite pas. Soit tu vas, soit tu back. J Attends pas que l'adversaire te rende la balle. Là, ils sont bons. Voilà, oh tu t'es précipité, mais t'es tellement loin. Ah, T'as vu comme t'es loin là Pourquoi tu sautes aussi tôt Ah Il faut que t'apprennes à. Il faut que t'apprennes à bien garder ta réserve de boost. Bien que t'apprennes à. C'est du C2 quasiment C3. Hein. C'est pas du, du lot C2. Hein. Rassurez-vous, il hein. y a une grosse différence en C2 entre le, le C2 Div4 et le C2 Div1. C'est pas la même. Hein. Rassurez-vous. On est plus sur un C3 en vrai. Non, le, le boost ça me paraît bien. Il est gourmand, c'est vrai, mais enfin. Les rotations, c'est bien. Hein. Ah, euh... C'est rigolo, on, est, on a vraiment un joueur à la fois mécanique et à la fois tactique. T'as un bon équilibre global. Mais euh, en fait, ce qui va déconner, c'est le decision making. C'est pas la tactique. C'est pas la technique. C'est le decision making, regarde. Là, tu sautes alors que tu devrais pas. C'est le plus dur en fait. En, en vrai. Wektazix, merci beaucoup pour le Prime. Viens discuter. Allô? Oui, non, mais le saut est, est compréhensible, mais euh, c'est une conclusion globale. Hein. Alors. Ouais. Alors si si il faut sauter mais à la limite pour le coup là plutôt <laughs> euh... je pense que ton là là on sent je trouve qu'il y a de la frustration dans ton gameplay je ressens la frustration je ressens l'agacement <laughs> tu, dr... tu, tu commites alors que tu devrais être en fait t'es pas assez prudent t'as un gameplay qui est trop audacieux tu vois ce que je veux dire ouais, genre es en deuxième joueur l'adversaire il a la balle Ok, peut-être qu'il est moins fort que toi. Peut-être, peut-être pas. Mais tu sais, même s'il est moins fort que toi, s'il a 100 boosts, la balle et, 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 et 10 km pour contrôler sa balle, bah, il va quand même être en avantage par rapport à toi, même s'il est moins fort. Pour aller hard challenge un type dans des situations d'avantage, il faut être beaucoup, beaucoup plus fort que lui. Tu vois ce que je veux dire Et même en étant comme ça, tu peux te planter si l'adversaire rate et fait n'importe quoi, ça peut te fake. Donc tu vois, tu peux prendre un joueur GC3 euh, SSL. Contre un GC1, si le GC1 il a tout, il va quand même se méfier, tu vois. Il va quand même aller lui mettre un fake challenge, peut-être une ou deux feintes, tu vois. Pour le faire paniquer, et là il va prendre la balle et il va marquer derrière, tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que t'es meilleur que tu peux sauter de manière trop risquée, tu vois. Je pense que si je devais vraiment résumer ton gameplay, je dirais que c'est ça. Il est trop audacieux, trop risqué. Okay. Et, euh, et ce qui est bien avec cette métrique, de jouer safe ou risqué... C'est qu'elle ne tient pas compte de la qualité de ton gameplay. C'est-à-dire que tu peux être très très bon et jouer risqué. Le problème d'être très très bon et de jouer risqué, c'est que tu vas perdre des games. Si tu es très bon et que tu joues safe, tu vas gagner des games. Si tu es très bon et que tu joues risqué, tu vas en perdre plein. Tu vas pas être récompensé pour jouer de manière risquée dans Rocket League. C'est jamais le cas. Euh, pour donner un exemple, il y a plein de joueurs qui grindent beaucoup le 3v3. Ok et ça, c'est un truc que t'apprends en 3v3. Si tu veux monter en 3v3 solo queue, il faut rester au goal quasiment. C'est triste, mais c'est un peu ça. Hein. En attaque, tu fais des démos P3, tu démos le troisième jour adverse sur chacune de tes rotas, tu essaies de démos le dernier jour adverse pour libérer des opens, et tu te précipites en défense et tu laisses tes mates jouer, tu ne double commit jamais, et tu fais que ça. Démo P3 sur ta rotation, que des 50-50, et tu joues extrêmement risqué, tu ne tentes aucune mécanique. Et bien bah, en faisant ça. Tu vas jamais être premier au point dans tes games, tu vas tout le temps te faire carry, mais tu vas indirectement carry toutes tes games en ne prenant aucun but de merde, en ne prenant, en faisant aucune erreur, tu vois. Le problème de ça, c'est que ça fait toi un très mauvais joueur de Rocket League. C'est-à-dire que tu vas, tu vas grind, mais tu vas être nul à chier. Tu vas pas devenir un bon joueur. Toi, tu es dans l'excès inverse de ça, tu vois. C'est-à-dire que tu, ouais, tu, vas, tu prends trop de risques, tu pars trop du principe que tu es imbattable, invincible et que tu vas tout gagner, tes challenges. Ce qui fait qu'à la fin, bah, quand ton mate fait de la merde, t'es dans la sauce, tu te fais soulever. Euh, en fait, dès que ton mate est défaillant, euh, c'est la sauce. Comme tu joues pas safe, t'as plus assez de boost, tu vois Tu joues un peu en. Ouais. Euh... Pourquoi il a pris un ban lui J'ai pas eu toute la conve. Ok, enfin. Les gens se sentent libérés, donc c'est que il était temps. Ça marche, Noe, je te fais confiance. Voilà. Donc là, pour moi, c'est. C'est un peu... Euh... Ne défendez pas les gens bannis, on vous banne par ricochet. C'est clair, Alexis On banne les gens parce qu'ils perturbent le chat. Si tu perturbes le chat derrière... Tu refais la même chose et on va te ban aussi, tu comprends C'est le seul moyen qu'on a pour faire fermer la gueule aux gens. Donc ne reparle pas derrière. C'est insupportable. Voilà. Euh, Excuse-moi. Euh, donc là, euh, c'est globalement le problème de de tenter trop de choses, d'essayer trop de choses, de prendre trop de risques, de rater de peu et derrière ton mate fait de la merde. Mais ça à la limite c'est un peu plus normal, tu vois. Et au final, tu vois, là, on voit sur une image comme ça euh, que, que tu vas perdre beaucoup de 50-50 de trucs simples. En fait, on, je t'attendrais à être un peu moins bon sur les trucs durs et d'essayer de bosser un peu plus les trucs que tu es censé réussir à 100%, tu vois. Tu as mis trop de billes dans des trucs pas forcément régus et peut-être ouais. pas assez dans des choses qui devraient être acquises maintenant. Moi, je dis que là, un gars qui aurait, qu aurait juste bien bossé son contrôle de balle et son front de flic... Et qui serait impérial dessus Il va être meilleur que toi en C2 Même si c'est pas aérienne Tu vois ce que je veux dire ouais, T'as trop dispersé tes compétences Et t'as mis trop de compétences dans des trucs très compliqués Donc Certes tu vas être capable de faire des choses Que pas beaucoup de C2 sont capables de faire Ça c'est vrai Mais tu es pas régul dessus du coup ça te donnera pas la victoire Tu vois ce que je veux dire c'est ouais, pour ça aussi que des fois j'ai l'impression que j'arrive pas à carry. Ouais tu T'arrives pas à carry parce que ce que tu essaies de faire c'est trop du highlight en fait c'est trop compliqué c'est trop c'est trop compliqué pour ton niveau là actuellement du coup bah tu vas beaucoup rater et du coup bah là tu vas sentir le fait d'avoir effectivement des mates pas forts parce qu'on est en C2 et t'as ce, ce sentiment de supériorité parce que tu sais faire des trucs que personne ne sait faire en C2 mais ok et ça te donnera pas spécialement la victoire c'est pas parce que toi tu sais reset musty que tu es plus fort qu'un type qui va qui sait pas faire c'est pas comme ça que ça marche c'est pas ouais. plus tu sais faire des trucs compliqués plus t'es fort. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été ça, ça ne sera jamais. Hein Donc, après je dis pas que ça va faire des trucs compliqués, c'est de la merde. C'est dur et c'est bien que tu saches le faire, tu as de l'avance là-dessus, ça te sera très utile plus tard, mais à court terme, ça ne te donnera pas la game. Tu vois Là ce qui t'aurait donné la game là, tu vois Dans cet exemple, je sais pas si tu regardes aussi l'écran, bah c'est de gagner ce 50-50 en fait. Ouais. Ouais. Bah tu ouais. l'as perdu. C'est perdu. Ça, on veut le gagner, celui-là. Il est largement gagnable. Il a sauté avant toi. Là, es censé gagner. T'es en situation d'avantage énorme. En négociant mieux ce 50-50, tu passes sous lui, là, avec un bon side flick. Là, t'as dévissé, tu vois. T'as dévissé sur la gauche. T'aurais gagné ce 50-50. En plus, alaka il est prêt à turn pour marquer l'open si tu gagnes le duel. Pour gagner cette game, il fallait pas savoir faire ton truc aérien, là. Il fallait gagner ça, là. C'est ça qui donne les games. Plus on est bas et low, plus les mécaniques simples et utiles dans la très grande majorité du temps vont vous faire gagner. Vous savez, en RLCS, c'est pas plus tu flippes, reset, plus tu marques. Hein. La majorité des buts en RLCS, c'est des tirs. Exotic style. Hein Exotic, il marque la plupart de ses buts en envoyant une grande patate en lucarne. C'est la mécanique la plus basique du Rocket League. Sauf qu'elle est perfectible à l'infini et que c'est une mécanique de SSL le tir autant que c'est une mécanique de bronze juste que tous les SSL savent tirer alors que tous les SSL ne savent pas triple Z, mais ça veut pas dire que tous les SSL tirent aussi bien les uns que les autres c'est clair ou c'est confus ça non c'est clair donc là moi ce que j'aimerais c'est que tu mettes plus de billes dans ce qui va t'aider à gagner des games il faut bien que bien tu bien. perfectionnes ce qui te sert à faire la différence et que tu l'utilises lorsque tu peux Merci beaucoup Saint-Ré pour les 6 mois de sub d'avance. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue à toi. OK OK, OK. On est bon Bon, je pense que ça sert ouais. pas à grand-chose de regarder la dernière game. Est-ce que tu as des questions Ça fait une heure tout à fait. Euh non. On non. est bon Je peux tout dire. Ça te va Nickel. Bon, bah voilà, bah écoute, euh, en vrai hein, les mechas c'est impressionnant. Ton car contrôle, t'as de bonnes rota. Change un petit peu ta mentalité. Ouais. Et tu vas monter. As tout, as tout ce qu'il faut pour monter, il faut juste que tu appréhendes le jeu, les games un petit peu différemment, et tu verras, ça va aller. Ok, refais des petits training packs de backboard de tir, reviens sur les, reviens sur les bases, reviens sur les trucs qui, qui, qui sont suffisants pour gagner à ce hello. Et quand tu seras GC1, tu seras très content d'être déjà très bon dans les airs. Ça te sera très utile plus tard, c'est pas perdu. Okay. Mais là, à court terme, bah, bah. Okay, ok ok, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup bien à bien toi. Merci. J'espère que ça t'a plu. Bien, ça ne me plu. <laughs> très bien. Et bah ouais. je te souhaite de passer une très bonne soirée. Merci à toi aussi. Ça marche, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Tiens-moi au jeu. Salut. Trop sympa. Timide un petit peu. Merci beaucoup pour le sub Merci DD279 pour le sub. Merci beaucoup à ceux qui sub. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon. Quelle heure il est Waouh. Oh, il est mille, 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 mille fois trop tard. Oh, il est trop tard. Il y a un truc que je voulais regarder. Est-ce qu'il est trop tard pour regarder un truc Ouh Ça m'intéresse là ce que je suis en train de regarder. Ok. Alors, attendez. Ça tourne ça Intéressant. Allez, je vous envoie chez un... un gars qui joue sur mon serveur. Voilà, je vous envoie là où je voulais aller regarder. Euh... Je le connais pas trop. C'est un streamer qui fait du WoW classique hardcore. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, le PvEHL. Je joue beaucoup à WoW en ce moment en off. On a un Discord, Discord multigaming. Ok. Euh, si vous voulez nous rejoindre, on joue. À... On est une petite dizaine à jouer à WoW Classic Hardcore. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble le, le, le jeu à haut niveau, c'est des jeux où c'était des, des MMO avec des raids à 40 joueurs. Donc c'est tout un truc, ça n'existe plus aujourd'hui à part sur ce mode de jeu-là. Euh, donc petite capsule à passer, et il joue en mandat de corps. En mandat de corps, ça veut dire que si tu meurs, ton perso est dilite. Voilà. Donc euh, c'est euh, un, un des meilleurs joueurs du... Un des meilleurs, parce qu'il y en a beaucoup du coup, hein, joueurs du serveur. Euh... Français en tout cas qui stream donc euh, on en profite. Voilà, allez lui faire des bisous. Moi je vais aller regarder un petit peu son run. Euh, je, je vais pas reprendre maintenant qu'à setup cougar. Je referai sans doute demain si j'ai l'occasion de regarder la fin des games. On n'est pas spécialement pressé. Je vous fais des bisous demain. Ranked into coaching into fin des analyses. Je pense on va faire un truc comme ça. Euh, on verra comment ça se goupille. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Soyez bienveillants. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures sur Rocket League! Allez, salut, prenez soin de vous! Ciao, ciao! Foutez pas trop le bordel, il est en raid. Pas que ça le déstabilise trop.